Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Merde. Eh pardon, rêve n'a pas aimé, puis ça fait quoi? Qu'elle me clash. Rêve encore en route, rêve m'a à clasher, Jimmy. Oula, que ça. Rêve me clash depuis avec les pouces. Rêve n'aime pas, n'y a que chez nous, goudron, mon chacham. Je m'en fous royalement, rêve. J'ai dit que royalement, parce que ce que tu fais depuis là, je t'ignore intentionnellement. Tu veux que tu me clashes. Il faut que tu t'ajoutes avec la mêlée. Ça fait quoi? Regarde-moi, quelqu'un n'a pas aimé, puis ça me fait quoi? Papa, je me batte, avec sa tante, c'est sa tante qui a commencé l'histoire de Fatou aussi. Ça peut devenir sénégalaise, togolaise, malienne, guinéenne, éthiopienne, tchadienne, tout. C'est Toto Tonga, celle qui est en train de souffrir maintenant au tribunal avec tous les crochets qu'elle a sur son derrière, son chéoul, de somme des bêtises qu'elle a commises. D'accord? Alors, rêve, si elle sort sur moi, c'est un classique. Hein? Rêve, tu n'aimes pas, on a un drum, tu m'en fous royalement de ce que tu peux penser. Parce que tu as multiplié au moins 17 postes chez tous les postes que tu as mis pour me narguer depuis que tu soutiens cette corruption au détriment de ta soeur. Tu n'aimes pas, j'en ai rien à foutre. Tu comprends avec quoi? Ne faut pas que quand on fait comme ça, on veut vous respecter, vous ignorer, vous pensez que ce que j'ai dit, c'est faux. C'est quoi que tu n'aimes pas? Ce que j'ai dit, l'exemple de papa Fondia, c'est faux. Regardez-moi ça. Depuis une femme que depuis 8 ans, on dit que le mari est patron, ne monte pas une fille avec. Un beau garçon comme ça. Vous avez vu ça où? Regardez-moi ça. Les pleurs partout. Comme Tachou, j'ai dit que c'est la magie. Les pleurs, comme Tachou. Il y a une là. Celle-là, elle vient d'avoir l'acquisition à la propriété du haut de ses 50 ans. Jusqu'à ça, je fais un projet, je ne veux pas attaquer Pépé parce que je suis en train d'acheter une maison. Elle achète maintenant la maison, montre alors la maison. Il paraît que le salon pourri, la cuisine, je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle a fait. Elle a pris la cuisine d'IKEA, elle a mis dedans. Elle est là, elle s'embrouille. Il fallait montrer. On allait voir. Elle dit que toi, je ne te gère pas. Tu es malheureuse. Tu comprends, non? J'ai dit que tu es malheureuse. Et je me souviens de toi depuis l'époque de Mana. Vous êtes les patates du même Sion. C'est ça que me désolidait de toi, était très vite. D'accord? Très, très vite. Voilà. La cousine de qui? Même si c'est sa soeur, j'en ai rien à foutre. Qui est la cousine de qui? J'ai dit qu'elle pleure. Hey, je ne savais pas qu'elle pouvait faire pleurer comme ça. Non, elle met le nom de Flore pour me. Flore, il faut noter que Flore, quand elle est revenue pour faire la paix à son père, elle m'a donné beaucoup de balles perdues. Hein, parce que là où elle dit qu'on m'a reçu à l'arrêt, puisque Amout n'a pas eu de cran pour blanchir cette histoire. Il est resté là. Il dit que c'est comme ça qu'elle est. Il a laissé. C'est ça que je trouve comme elle lâche. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, non, ne t'excuse pas, ma sister. Ne t'excuse pas. Rêve, c'est l'astico, c'est le condiment de quelle sauce que tu me battes. Hey, en quoi, chop? C'est un nouveau injure. Je dis que c'est un classique. Tout ce que vous faites là, il n'y a rien qui est nouveau dedans. On me dit que jusqu'à j'ai donné le poison. Dans le poison, quelqu'un est encore vivant. Je suis de faux. Hein. Oh, vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez rien vu. Vous comprenez? Vous traitez en gros. Je dis en gros. Au jour d'aujourd'hui, là, ils me connectent. Hey, les gens sortent de partout. La femme qui s'assure, vous pouvez sortir vos têtes comme ça. Puis là, votre cuisine comme ça, on voit. Sans rien, vous pouvez. Une djoundjou kalaba, tous vos patrons là, une djoundjou kalaba. Sortez, on vous voit la tête comme ça, là, on voit. À part maman Pépé qui montre souvent ses cheveux. Si on a encore vu les cheveux de qui? Fichez le camion, j'en dis donc. Il a. Venez, on va courir. On m'en fout. Quand on dit qu'au pays des gâtés, gâtés, c'est gâté, gâté qui est roi. On va courir. Quelqu'un a peur de vous. Ouf. Et pardon. Pardon. Que Amout va loin avec ses doléances. Il est hypocrite, manipulateur. Oui. Manque de sagesse. Il a manqué de sagesse sur celui-ci propre. Il dit ça, roha. Non, c'est on dit que les gens pleurent. Comme ça, tu connais le chenot barre. Pour mon petit nendor partout. Charlie, bon, parlez-moi, j'ai des journées à l'eau pleine. C'est comme ça que je travaille, je fais mes choses. Oh là là. Dieu a béni tout. Hein. Ce week-end, j'ai des séances de travail. J'ai des documents à fournir, beaucoup de choses à compléter. Oh là là, je suis busy. Juste à quand je pense à mon week-end, je suis même dépassée. Les vieilles chouettes sont là. Ilan. Rêve n'a pas aimé. Yap, tu n'as pas aimé. Rêve, pas chou, ma gagne. Qu'est-ce que tu as bande de ceci. Parce que vous n'avez pas de soupe. Vous n'avez pas de choc par manière. Tu crois qu'on ne voit pas depuis. Parce que Nadège, je peux faire le point, moi. Bon, mon pion ne peut pas. À pas insulter que l'autre a fait ceci. Nous, on tape Nadège dans les faits saillants de l'histoire. Elle vient dire qu'on avait dit que ton ceci avait fait cela. Elle raconte les choses, même que je ne me souviens même plus. Il l'a.
Il a encore mon pion. Il a qu'elle règle ses signes de mal. Ses signes de mal la traite en direct. Ça ne chauffe pas. J'ai dit qu'elle les pleure partout. Mon gars, alors, mon gars a fait la liposuction. Ah, mon gars a refusé son. Mon gars, c'est ma petite soeur. Elle a fait la liposuction. Elle a tiré sa figure. Elle a injecté le botox parce que les autorités qu'elle veut maintenant pêcher maintenant, c'est pour que comme je suis là, pour que ça bouge comme ça là. Qu'elle puisse vraiment bien attraper ce qu'elle va attraper des autorités là, mon gars. C'est elle qui est en train de parler 8 ans après moi, elle vient me parler. Ça fait 8 ans, mon gars, me parler. 8 ans, mon gars. Tu parles à qui? Ah, floca. Il lang. Oh, je te cherchais, oh, je te cherchais pas. Quand j'ai vu, mon gars, tu m'appelais, je t'appelais. Quand j'ai vu comment, après votre restaurant avec Marthe, ça a tourné là, j'étais fui. Fui jusqu'à ce moment qui t'a bloqué. Il lang. Non. Ah, mémé peut monter tout ce qu'elle veut, j'en ai rien à foutre. Mémé, c'est depuis qu'elle était bloquée, chérie. J'ai vu ton élan, tu es venu même nier. Je n'étais pas insultée, j'ai plutôt dit que tu es une opportunité. Mais toi, tu as la boutique, tu vends les bonbons, les chocolats. Tu achètes des bonbons à 2 euros. Tu vas le vendre à 3,50 euros. Qu'est fou. À opportunité, Kabaka. À part du gang, moi, je suis un que. Je suis une jetnap. Donc, c'est l'enfant de Amenvenga. C'est puis c'est tout le monde avec opportunité, opportuniste. Ce que tu dis là, je suis sapillant. Je suis même le prototype de ça. Je ne perds pas mon temps. Dès que l'opportunité là, je la saisis bec et ongles. Et j'impacte ceux qui veulent saisir leur part d'opportunité. On n'a rien à pas le temps à perdre. La différence entre vous et moi, c'est que quand vous répondez, j'ai l'argent qui monte sur ma réponse. Vous me répondez, vous attendez les étoiles. Moi, mon pion attend les étoiles de quelques personnes. Moi, j'ai les étoiles et l'argent. Donc, on est différent. Sur tout ce que je vous réponds là, j'ai l'étoile et l'argent. Vous allez signaler, mais moi, je parle le bon français. Qu'elle est lavé vos parties là, j'ai les mots que je mets à mon patois. Donc, même le robot de Zuckerberg ne voit pas les mots. Donc, ça passe que fioc. Vous comprenez, non? C'est ça que vous ne pouvez pas. Et j'ai bloqué 55 000, plus de 55 000. Vous toutes, vous êtes déjà bloqués ici là. D'accord? Donc, franchement, faut arrêter. D'accord? Faut arrêter. On fout de vous au cube. Et je suis terriblement mariée. Je compte le demeurer, je travaille. Vous avez vu le monsieur, non? Un monsieur. L'abdombi. Vous regardez? Amakala. Makala, sans fouiller à vous, pendant qu'elle a comme un grand. Père, ton nom, macho. On a vraiment un nom, vous regardez, mon man. Amof. Amof. N'abdim, bruit, à tout manger, bec. Amakala. Vous allez. Comme ça. Vous tapez. Allez, retour. Final. Allez, retour. Vous signalez pourquoi? Quelqu'un qui monte dans mon direct pour insulter, je le bloque. Vous savez que je bloque vite, non? Il y a une autre vague de personnes aujourd'hui. Et pendant ma pause, je vois un commentaire qui entre. Je vais chercher le commentaire, je ne vois. Puis pourquoi vous venez, vous écrivez des gros commentaires pour m'insulter? Quand je cherche pour vous bloquer, vous vous effacez encore. Il faut être sport. Quelqu'un a dit que tu bloques parce que tu es lâche. Non. Je suis responsable de ce que j'entends et ce que je vois. Vous savez ça? Et elle est inaccessible à penser. Donc vous ne pouvez pas savoir le niveau de pensée que j'ai sur vous. Vous êtes nul et non advenu. Non pas tant cheval, tocard. C'est comme ça. Hein? Franchement, les pimentières à outrance. Voilà une vieille. Une Hey, elle vient me parler. Elle vient me parler. Moi, j'ai la beauté que les gens qui me suivent savent qu'ils ne doivent pas me faire le relais de vos choses. Donc, vous vous battez ou vous vous battez. Ça n'arrive pas chez moi. Ça meurt dans l'œuf. Voilà. Elles ont cru imposer la terreur. Papa croyait que Patricia. Je te dis, Patricia allait caresser. Patricia monte sur vous, elle va vous en sortir. Patricia, elle est morte, elle est crue. Elle va vous faire sa propre. Comme elle a laissé, parce que depuis l'époque qu'ils ont dit qu'elle a gâté la team des Russes et qu'ils l'ont insultée ici comme une malpropre, elle a vu et ignoré. Ils ont cru qu'elle avait peur. Tu as vu comment elle a traité des comités, comme même elle est entrée en fourrière. On ne l'entend plus. Parce que les audios, là, on a tout jusqu'à ce que le frère déclare que la mère lui avait l'hôpital. J'ai tout suivi ça. C'est là, au frais. Elle est fatiguée. On parle de quoi? Les parrains d'une fille d'une day, je sais pas où je suis, bon, là, là, bon, fou que quoi. Les feuilles de bananier comme ça, là, on vous amène où? Et on me dit seulement que oh, l'autre a fait le direct, l'autre a entré pour ceci, vous êtes seulement obligé de vous relayer comme ça. Vous voyez que je suis en direct, qui entre pour m'aider? C'est une place. Je vous traite en bloc, une place. Il n'y a pas quelqu'un qui téléphone ici pour me dire oui, l'autre a fait ceci. Vous êtes toutes les unes les autres en blocus. Moi, je suis seule et je vous mets au sol. Oh, merde, mon dos là, hein. C'est large comme quoi. Et quand on m'a dit que quand j'ai dit dollars, ça énerve mon pion. Parce que monsieur Saleté va dire dollars, elle va être correcte. Elle voulait semer une prostituée qui règne dans le milieu des bocs, des fémans, comme on l'a vu tourner à Motissi en bourrique. Elle pensait que moi, je vais céder. Qui? Bien. Le soleil, il ne faut pas que je reste trouvé noir ici. Le soleil, ici. Bon, maintenant, tu seras inquiété. Je demande à mon chéri de me sortir. Les chaises, là, sont pleines dans le cabanon ici.
Attendez un peu, je vais voir si je peux voir une chaise à l'entrée du cabanon ici là. Je vais mettre à l'ombre. Il avait mis ça, oui, voici ça ici. Comment il ouvre même son cabanon? Ah oui, c'est ouvert. Je vais tirer la chaise. Attendez ici. Hein. Attendez-moi là. Attendez. Qui est la chaise? J'ai les grillages de poisson ici là. Je cherche ça. Qu'elle est brisée mon poisson. Voilà. Vous êtes là non? Attendez, je vais placer la chaise. Voilà là. J'ai peur de vous. Bon. Lave du. Attendez. Placez la chaise. Le temps arrive. Pas que je m'assise au soleil. Je vais me mettre ici là. Voilà. Le soleil, hein, un genre. Ça va me faire perdre mon beau teint basané là. Comme un bout de dos. Hein? Bon, vous faites. Est-ce que la chaise est même sale? C'était sous la cale ici. Ça me salit mon beau pull Tommy là. Sous les coudes du pull. Bon, ça va. Hein? C'est que mon chéri avait nettoyé avant de ranger. Bon, qui est là? Est-ce que vous êtes encore là? Les pleurs partout. On m'a dit ça. Que les gens pleurent partout. Les pleurs, vous me voyez? Est-ce que vous me voyez? C'est qui est entré dans le direct même? Ça fait un genre, je vous vois peu. Je vous vois comme à moitié, vous me voyez. Attends. Attends, vous m'entendez? Vous m'entendez? Ouais. L'écran fait un genre, je ne sais pas pourquoi. Tu signales déjà, oh, la paix. Elle dit qu'on va à la piscine à 100 euros. Elle va le mettre ça dans son lit. Ma piscine, si elle ne coûte pas 100 euros, il faut demander le nombre de pouces, de diamètre et tout. Moi, j'ai envie du jacuzzi. Je suis rendue à l'âge du jacuzzi. Parce que mes filles, la piscine, ça ne veut dire plus rien. Moi, c'est un jacuzzi qu'il me faut. Et c'est dans mes rêves. Et par la grâce de Dieu, je vais l'avoir, ce jacuzzi. Il ne coûte pas cher, celui que je vais, juste à 12 000 $. Voilà. Donc, c'est ça. La poutine, pas petit. Je les traite sans porter des gants. Je suis pas hypocrite. Comme leur leader respectif. Là, moi, je suis pas hypocrite. Tape sec. Ne finis pas le pain. Non, je ne mange pas le pain. Ils sont en train de bouillir les miondos. Il faut que j'allume les bougies des odeurs, là. Elle a allumé les bougies des joueurs là. Qu'elle achète aussi un menon dans sa chambre. Langue. Moi j'ai quelque chose qui est apparu sur mon écran, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez même. Oh, ça m'énerve. Mais bon, je vous vois quand même. Quelqu'un a demandé à entrer dans le direct. Quelqu'un peut demander, je fais comme si le plan ça joue un peu. Ou bien. Qu'est-ce qui se passe même ici? Ah, quelqu'un peut demander. Attends, j'essaie un peu de faire comme si je prends ma baisse d'amour aussi. Ma baisse, fais comme si tu prends, tu caches l'écran et tu repars. Je veux voir un peu ce que ça va donner. Oh. Oui, Duracell, je les traite. C'est depuis que je suis Duracell. Je les traite. Oui, naturel. Économiquement, Becker m'a proposé les poches. L'autre a dit que je ne dors pas. Même si je dors 15 heures de sommeil, je me lève, j'ai les poches. Naturel. Hier, je me suis couché à 21 heures. Je me suis levé à 7 heures. Donc, j'ai fait 10 heures de sommeil la nuit d'hier à aujourd'hui. 10 heures plein. Je me suis levé, mes poches étaient comme ça. C'est naturel. Et je ne vais rien faire pour ça. Rien, juste pour vous. C'est-à-dire que vous avez que souffrir de me voir comme ça. Il faut zoomer. Mémé, commence des captures. Va voir les clous d'Akamblem Boma. Tu mets tout ça partout. Il lang autant que vous êtes. Ouais, Seigneur. J'aime ça jusqu'à. Ça, c'est une petite soeur, Nouriane. C'est une petite soeur. Mais tu as d'où m'en veux. C'est des petites soeurs bien élevées, bien éduquées. Elles esquivent vos pétettes là avec les gants aux mains, les chapeaux, les carapaces même. Parce que vous êtes dotées d'un esprit machiavélique très poussé. Vous allez créer une histoire collée sur elle. Elle va que marcher avec. Beaucoup de gens se mettent à vous esquiver. Moi, je n'ai pas peur de vous. Mettez tout ce que vous voulez. Je n'ai pas peur de vous. J'ai dit que je vous. C'est-à-dire qu'autant que vous êtes, je vous envoie les bilans. Il a. Ouais, Seigneur. Maman, quelqu'un va venir. Merde, vous n'êtes pas bon. J'ai pas bu beaucoup d'eau aujourd'hui. Ma goutte est pleine.
quand 19h sonne, je ne bois plus parce que j'aime bien. Je n'aime pas dormir, me lever, aller faire pipi tout le temps. Donc il faut que je fasse l'effort. Je descends un peu ça jusqu'à 19h. Après ça, c'est bon. Je te prends. Ok. Ouais, ma chérie. Je fais comment même pour prendre? Est-ce que tu vois même pour entrer? Oui, oui, la reine mère bio, la maman. Et tu es en direct comme ça, il y a l'argent qui pointe. Bonsoir, la reine mère bio. Comment ça va, ma chérie? Ça va bien. Tu es très jolie, la reine mère bio. Merci, maman. Merci. Mon chéri m'a dit ça ce matin. Les vieilles chouettes peuvent mourir. J'ai dit que la reine mère bio, oui, comment si on te veut, mon poil. Mais les diables, que comment? Mais les diables, je sais qu'elle me prend quoi. Ngoulamba. C'est elle. Aswanga. C'est Aswanga, même. C'est elle qui a détruit la team de Lolo. Alors que la team de Lolo était forte. Solide. Toute solide. Ça pour aide-moi à détester. Oui, solide. Et rêve comme elle est jalouse de la Starmania de Lolo. Elle a adhéré. Hora. C'est vrai. Alors que même... Lolo avait fait même un direct. Lolo avait même fait un direct. Lolo oui. A dit que laissez. Pourquoi ne s'en prend pas sa soeur? Laissez que chacun choisit ce qu'il veut. Oui, Lolo avait elle dit ça. Ne clash pas sa soeur. Pourquoi c'est ma petite soeur? C'est nos petites soeurs du quartier, les belles filles. Je te salue, ma petite sister. D'accord. Faut laisser. Non, je t'écoute, bébé. Pareil, je voyais le commentaire d'une petite sister chérie que j'aime bien là. Attends, moi, on veut une. Elle est belle, douce. Oui, continue, bébé. Saleté. Mieux encore, c'est mieux encore. La cuisine de veuve là, c'est son taux. Fini qui est comme ça. Tu as 20 ans que dans la foule que c'est une veuve. 20 ans que. Ah, ma voilà. Il y a un truc comme mon pion, elle aime enregistrer les gens. Et la reine me dit, écoute-moi, elle était 17. Même Goy avait même bien averti à son cousin en disant que, à son cousin de faire attention. Elle avait dit de faire attention. Oui. La bande là enregistre. La bande là enregistre lui aussi. Comme la PO là, c'est dans le. Je vais te dire une chose. Aide-moi à détecter, il n'a pas compris. Je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Oui, mille la reine. Il faut que les internautes sachent ça. Il n'y avait pas une conspiration. Ce n'était pas une bande du genre. On se retrouvait dans un groupe pour faire une réunion pour qui que ce soit. Il faut que les internautes sachent ça. Et même quand je venais répondre à Ngoy au profit de Prézi, ou que je disais que communiquer, c'est Prézi qui va peut-être me faire un communiqué, dit que ceci, dit que cela, par exemple. Mais il n'y avait pas un groupe de conspiration pour dire que méfie-toi. Il faut que les internautes sachent ça. Et il faut aussi que les internautes sachent que c'est Nadège qui a branché Prézi pour faire cette rencontre après le direct qu'elle a insulté trois dépouilles de ma famille. Les internautes doivent comprendre ça. Et Prézi me l'a dit le jour même que Nadège a commencé à faire, que Ngomopion a commencé à faire écouter le début de la vidéo. Donc pour te dire quoi? Pour te dire que malheureusement, oui, Flore a averti, mais s'il faut aussi avoir peur de quelqu'un, il faut aussi avoir peur de Flore comme la peste, parce que Flore n'est pas des moindres. C'est-à-dire qu'on ne doit pas dorer quelqu'un avec un gazon, l'autre avec le blason, l'autre avec la plume. Doit l'autre avec la soie ou le. Non. Flore, Gomopion, bref, la bande et la clique, c'est les patates du même sens. Mais la reine Médio, oui. La reine Médio, oui. Il y a un truc. Oui. Il y a un truc que moi, je dois pas te dire. Oui. Sans, je dis la vérité. Dis, maman. La personne qui enregistre, c'est très dangereux, la reine Médio. Tu comprends ce que je te dis? La personne qui passe toujours le temps à enregistrer. Non, il faut fuir cette personne. Et le parce problème de Gomopion, c'est quoi? Elle ne peut pas vous mettre tout l'enregistrement. C'était chaud. Au jour là. Ça a chaud. Elle peut pas. Mais elle est très méchante. Elle ment. Elle dit qu'elle n'a pas. Elle a enregistré. Parce qu'on a au début, on a commencé à entendre la voix du. Et c'est elle qui a branché le président de venir m'appeler. Ce qui me choque, que je suis fâchée avec le président, que lui, il doit rester dans son coin. Je reste dans ma part. C'est qu'est-ce que c'est ça? Parce que. Premièrement, il m'a dit que c'est les personnalités. Parce que je lui ai dit que mes présidents, toi tu dis qu'elle m'a insulté ou que. Toi tu viens m'appeler que j'ai déclashé. Tu as entendu mon direct? Non, je n'ai pas moi suivi. Hein. J'ai dit, et comment tu parles? On m'a dit que c'est elle qui sort d'un direct. On vient de me donner le fax qu'elle est en train d'insulter. Mon père qui est mort il y a 30 ans. Ma soeur qui est morte il y a 32 ans. Mon ceci, mon cela. Tous les dépouilles de ma famille. Qu'on dit qu'elle est en train de raconter des histoires à la con là-bas. Et président m'a dit que moi-même ça, je n'ai pas écouté. Hein. Tu sais, moi, c'est les personnalités qui m'appellent et disent que vous savez, vous êtes la communauté camerounaise sur la toile, vous devez faire la paix. Je dis, mais président, je ne veux pas. C'était le coup monté. Et lui, il retourne l'appel. Il dit non, je l'appelle, je te rappelle. Quand je vois, il m'appelle en duo avec elle, je refuse, je ne plains pas. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour temps de compresseur. Voilà. Tout ça, c'est contre compresseur. Ça veut dire que compresseur a beaucoup. Mais elle peut même s'estimer. Qu'est-ce que c'est être... compresseur a le dos large. Donc, compresseur a le dos large, le feu sort. Parce que du coup, elle donne tellement de cran et de poids. Donc, elle souffre de l'absence de compresseur. Elle est prête à tuer. Je te jure, elle à finir avec les gens. Elle est prête à finir avec la vie des gens. Elle s'est alliée avec l'autre, avec le grand frère de compresseur pour détruire compresseur. Oui, oui. Et le grand frère n'a pas donné les balles. Imagine quelqu'un qui t'a amené au tribunal, mon frère.
Nous, on nous a toujours Elle nous a dit, appris que elle nous a dit dans l'audio, là, si elle est honnête, et il y a une partie qu'elle a dit qu'il y a une réunion dans les bassins, d'Abikoko, les bassins, que tous les bassins sont en train de faire la réunion pour faire qu'il y ait la paix, qu'il n'y ait plus de problèmes dans les problèmes qu'ils sont en train d'avoir. Elle nous a aussi dit dans l'audio qu'elle puis rêve Ndoutou, rêve malchance de la team de sa soeur, parce que je vais l'appeler rêve Ndoutou, parce qu'elle a mis la malchance en poursuivant Nadège dans la team de sa soeur. Rêve Ndoutou est partie et elle ont bloqué, ont lâché M. Messin. Elle nous a dit ça dans l'audio, il faut qu'elle soit honnête de mettre tout. Elle nous a dit qu'elle l'ont lâché parce que celui-là, c'est un, qu'elle lui ont demandé de ne pas parler à Marc. Et il a refusé. Parce que Nadège veut régner, Nadège veut gérer, gouverner Facebook. Une prostituée de bas étage peut gouverner qui? Ça, c'est la question. Elle va gouverner, elle va laisser la prostitution à qui? Oui. Ah, voilà. Donc, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, les prostituées marchent avec les fémans. Donc, Amot et la bande, je les mets tous dans le même panier. Allez-y. C'est bon comme ça. Parce que je ne peux pas concevoir. Ils disent que oui, tu es au Canada, je suis au Canada. Et puis quoi? Amot, même à la résidence du Canada. Le Canada, c'est un pays. C'est le pays où coule le lait et le miel. Qui ne veut pas venir ici? Même président me prend ses enfants, il vient en vacances. Il vous a dit que tu es au Canada et tu veux faire quoi à Paris? Eux-mêmes, quand ils sont là-bas, ils viennent résider ici. Pourquoi? Si c'est ça, chacun reste chez lui. Il faut arrêter vos conneries. Non, je vous non, dépasse. Allez, Langala, la langue de Gomopion, elle est une industrie. Elle a détruit. La, elle a détruit la team de Lolo à cause de... Non, rêve n'est pas ma petite sœur. Hey, rêve a multiplié. J'ai tous les captures d'écran des postes de rêve qui m'insultaient tous les jours. Dans le CIA, un Jean-Jean. Rêve a fait des posts où elle disait que vous voulez seulement qu'on vous soutienne. Quand Lolo était à Abidjan, Rêve nous a posté les choses au fur et à mesure. Ça s'adressait directement à moi. Que vous pensez qu'on va vous soutenir, vous aider à clasher Flo, vous pensez que c'est si, vous pensez que c'est... Donc moi... Faut le laisser, hein. Les gens ne vont pas me faire, je le gars, je fais comme si je suis béni, oui. Je sors aussi sur toi un bon coup. Oui. La reine Medio, oui. Prochainement, non. Mm-hmm. Prochainement, non. Mm-hmm. Parce que quand eux ne peuvent pas te faire la paix avec Flore, ils ne vous disent plus. Prochainement aussi, quand ils auront les pouvoirs encore avec Flore, n'entrez plus dedans. Mm-hmm. Laissez-les. Parce que le la dernière fois, je suis peut-être entrée pour les. Moi, je ne suis pas entrée. Et quand je vais t'expliquer, le problème du président, quand Flore est venu pleurer l'argent, moi, j'étais contre. J'étais contente qu'il bouffe le Nyangé. Non, non, je parle de Lolo. Je parle de la PO que Lolo a bouffé le Ndjangui aussi, du côté de Flore et de mon professeur. Vous êtes entré, vous avez soutenu Lolo. Moi, je préfère que prochainement, mesdames, ne soutenez plus. Que mon pote qui ne soutenez plus personne. C'est comme ça. Après, la pote est active. S'agissant de Lolo, Lolo a une team active. D'accord? Je sais. Lolo a je une sais, team la reine active. OK? Lolo a une team active. Donc, ça veut dire que même si je ne donne pas mon soutien, Lolo est intimative. Moi, j'ai des choses que quand ma Valérie Amougou, qui est ma personne, j'aime bien Valérie Amougou, quand elle est sortie avec la mission de maman Chantou, Chantal Haïssi, pour déposer Lolo, moi, je suis sortie contre Valérie. Valérie même m'a clashé. Mais c'était correct, c'est de bonne guerre. J'ai dit qu'on ne peut pas faire ça. Tu vois un peu. Donc, il y a des situations qui peuvent arriver, même si ce n'est pas parce que tu as de l'affinité ou pas, tu peux parler. Mais, le problème que je vais t'expliquer, c'est quoi? Rêve a détruit la team de sa soeur. C'est important que les lolomanias sachent. Il y a des lolomanias dans mon inbox qui m'ont laissé des messages. Parce que normalement, le problème, là, eux, ils ne devaient pas faire leur message. Ils ne pouvaient pas. Je ne vais pas faire écouter leur la message. La reine, c'est vrai. Parce que le problème, là, eux, ils ne devaient pas se mêler. Ils devaient les laisser bagarrer. Ils ne devaient pas se mêler du problème de l'autre et sa soeur. De grand frère, petit frère. On devait les laisser. Eux, ils devaient bagarrer. On devait les laisser. On devait les laisser. Je ne sais pas pourquoi ils sont entrés là-dedans. Ils ne devaient pas entrer. Et Lolo avait fait un direct. Et j'avais apprécié le direct de Lolo là. Elle avait dit que, mais laissez-les. Pourquoi vous entrez dedans, bon sang? Voilà. Et Lolo, quelqu'un vient d'écrire. Rose dit que pourquoi Lolo ne sort pas plus. Je lui dis, c'est délicat. Vous savez, il y a des gens qui ont l'esprit de famille très poussé. Lolo, n'oubliez pas que c'est la petite sœur de Lolo rêve. Lolo ne peut pas venir à défi contre sa petite sœur. Lolo a demandé à sa petite sœur, elle, 9 fois, nous avons les coupures. Que arrête de clasher, ne gère même plus compresseur. Mais la petite sœur fait ça pour aider Nadège. Parce que c'est Nadège. Nadège avait son conflit pour compresseur. Ça fait que petite sœur rêve est calée sur Thierry, la maman qui va venir parler, laisser ici, laisser là pour prouver que Thierry, où il n'est pas le bon mari, où il est le bon mari, où c'est monté, c'est descendu. Pendant ce temps, Papa Fondja, Marie a pris Papa Fondja, c'est sur l'arbre. Marie, il y avait un homme arbre. Papa n'oublie pas poto. Ah non mais obtenez que vite direct. Papa fondez dans un bar rampe un carton yamdo que cachez vous les cas tout écran non. Papa go tu vois ta vedette beaucoup de gens de ah non mais clair. Où est la vidéo? Quand ça va pour de bonnes guerres, maman Pépé prend un poste. C'est de bonnes guerres. Mais Rêve aussi a décidé que, comme elle est sur Papa Fondja, moi je prends aussi Thierry. Lolo a fait des directs et des directs. Lolo m'a resté dit, ouais Rêve, comment tu peux faire ça? Elle a fait des directs, même coupé la partie là. Pour dire que laisse, ne répond plus. C'est pour Nadège. Donc Rêve a accepté. Ok? Rêve a accepté de remplacer sa sœur avec Nadège. C'est tout. On a une bombarde en vrai. On dit que qui m'insulte ici? Prophète Ngabanziga. Maman, il y a un commentaire. Il écrit ça ou non, maman? Dis-moi vite. Mettez même la tête de moi sur son commentaire. Il y a peut-être de moi, on nous a dit comment me bloquer, donner.
Voilà. Ah, mais il y a eu un commentaire. Bon, adieu, hein, le frère. On se verra au paradis. Dame chou. Et si tu veux voir, si tu me vois à Montréal, ne t'avise même pas de venir me saluer. Toujours, non. Il a fui avec son commentaire. Voilà ça. J'ai vu où quelqu'un lui a répondu, mais il a enlevé son commentaire. Ah, le voici. Imbécile. Il a d'abord dit quoi? Tu as préparé quoi? Imbécile, il l'a. Tu vois qu'un idiot notoire comme toi, tu peux entrer chez moi. Bandit de grand chemin. Moi, a bloqué, mec. Imbécile. Je suis un brûle. Et a bloqué. Ne vous inquiétez pas. Je suis là, là. Tu vois qu'il ne débloque pas. Tu as créé un autre profil. C'est pas le premier que je bloque. Hein. Tu as créé un autre pour suivre la pub bio de sa génération. Je suis un brûle. Je suis tout son manco. Il voulait être Nelson Mandela et Blégoudé. Échouer la révolution jusqu'à le feu soit avec fracas même. C'est le président quand tu n'aimes pas accepter les condoléances quand ma mère quand ma mère est morte il l'a. Tu crois que quand on supporte quelqu'un dans la politique ça devient notre ami. Les gens qui sont dans Paul Biya, est-ce que Paul Biya est-ce que Paul Biya, lui il est au Québec, il est au Québec, est-ce que Paul Biya allait souhaiter mes condoléances? Tu connais combien de gens sont dans le RDPC? Paul Biya ne les a jamais parlé, franchement. Un bandit de grand chemin. Je ne vais pas, je ne laisse pas qu'il parte. Il l'a. Il dit qu'il nous, on vend la chèvre à la ferme, on vend la chèvre chez Ganaka. Moi, je suis une lionne. Ma tête est grosse, le cerveau qui est dedans est gros. Plein de sagesse. C'est pour ça que je tétanise. Tu as vu que je plie la toile. Et là, c'est parce que j'ai tellement bloqué. C'est que tu vas aller voir les gens ici plein. Je plie la toile. Ça veut dire que les pleurs sont partout, partout. Voilà. Voilà. Il l'a. Oh, attendez, pas encore soleil. Petit bain de soleil. Quand je quitte un peu, après je reviens encore. Ça fait du bien. Une vieille chute comme ça, profite de tout ce moment dans ta terrasse. T'es un tout putain. Viens parler à la meuf. Là. Regardez-moi ça. C'est la maman. La femme terrible. Maman. Vous avez entendu la voix du chéri, non? Quand j'entrais. Mon mari a une voix d'un journaliste. Mon mari, c'est un très bel homme. Mon mari, c'est une source de bénédiction pour ma vie. Vous allez pleurer, mon foyer. Et je vais toujours avancer. Gloire en gloire, victoire en victoire. Et ça consolide ma relation. Donc ne lâchez surtout pas. Ne lâchez surtout pas. Faut toujours me rôter là-dessus. C'est là où je me rapproche. Je sens encore que, vous voyez. Je sens encore comme il me faut. Voilà. C'est ça. Il lent. Autant que vous êtes. Elle vient me parler. Voilà. Nya, va chercher un autre profil, tu viens. Os, comment tu vas? Anna Mary dit non, on ne fait pas ça. Qui continue à parler, c'est chouette, maté, mais là, je te colle un procès. Voilà. Je te colle un procès. J'ai dit que papa a rêvé ce mariage avec Bachot. Bachot a vomi. C'est-à-dire que Bachot est une amoureuse. Là, quand il sort un peu avec elle, il couche, il cache sa figure. Il a peur. Déjà, de Facebook. Il cache sa figure. Il cache. Il dit, en amour, au restaurant avec ma chérie. Il m'a dit, il a des beaux mots pour elle. Hein. Oh, yeah. Ça m'a commencé à donner même les fleurs en direct. Hein. Bachot a un amour mal. Toi, tu as appelé qui depuis? Qui te prend, Gomokion? Personne. Personne. À part foutre la merde, tu sais faire quoi? Non, Lolo ne doit pas faire de sortie contre sa sœur. Elle a demandé à sa sœur de laisser, mais sa sœur, c'est plus fort qu'elle. Sa sœur veut aider Gomopion à combattre comme ça. Sa sœur a fait du clash avec Compesson une fixation. Au point où Compesson répond de temps en temps dans ses heures perdues. Compesson calque sur le noyau qui est Lolo. C'est comme ça la guerre. Il faut être stratège pour savoir comment tu orientes ta guerre. Mais Rêve gagnerait à faire de l'ignorance intentionnelle. Mais comme elle a fait du clash un style, est-ce que 2024, je ne crache pas? Il ne crache pas en 2024. Il y a peut-être crash. C'est recrache. Si vous croyez que je vais cracher, je vais pas cracher. Je suis une fille. Je crache plus. Tous les jours. Ah, bah, non, crash. Et Ngoulina, tu pour 2024, tu as un crash. Ah, on vous lit. On vous lit. Oui, comme ma coépouse va venir intervenir, appelez-la. Vous allez au village. Je vous ai dit qu'allez déterrer les corps. Vous avez dit que même que Fatou devait intervenir. Flo avait Fatou qui devait intervenir à Toronto. Depuis là, j'ai pas. Fatou, même, est quelle qualité de femme, non? Mais, chère, mais, ma crème. Comment une femme. Une femme qui prend un monsieur debout comme mon mari qui est sucré bonbon, elle prend un dieu monsieur comme ça là. Elle ne fait même pas une photo, même une petite vidéo avec. Pourquoi moi je poste? Pourquoi moi je poste? Dites-lui non, ouais, Fatou, sénégalaise, malienne, guinéenne, togolaise, elle est quoi là? Éthiopienne, tchadienne, bitam de fafa, avec les jumeaux, tantôt c'est des jumeaux, tantôt c'est deux enfants, tantôt c'est ceci à Toronto. C'est Toto Tonga. La prisonnière en cavale sans issue. Parce celle-là, son procès, sa décision arrive bientôt. Elle va porter ça sur sa tête. Elle va danser ça. Tout mon champagne. Tout champagne. Vous comprenez, non? Voilà. J'ai dit,
Elle attend quoi pour faire la photo avec le beau gars? Le beau gars. Hein? Je crois que je peux. Vous savez, vous quoi? Vous tous, vous connaissez quoi la cible? Tous, la cible ciblée. Vous ciblez seulement, vous connaissez quoi la cible? Ils aiment toujours prendre leur personne, leader, maître, comme si c'était un trophée de gloire. Si on parle à vos leaders, ils vont faire quoi? Ils vont nous faire quoi? Ils vont nous faire quoi? Elle clash tous les jours, elle est sur Compesso. Moi, je ne sais pas comment. C'est qu'elles ont tellement donné de cran à Compesso. Compesso, c'est elle maintenant, la Numba Uno de Facebook. Mais vous l'avez hissée à un niveau pas possible. Oh, fille, maman. Ce qui est sûr, c'est ça. Oh, bof, qu'on excuse. Hein. Le conjoint d'une fille est décédé suite à un poison. Bon, excusez, hein. Excusez vos bavardages. On a vu notre frère Lambert qui est décédé ici. Hein. Donc, si ce n'est que pour les décès, là, il y a des décès. Hein. Alors, arrêtez vos conneries. Moi, je ne suis pas dans les bavardages comme ça. Oui. Moi, ne clash plus. Si vous croyez qu'on va vous aider à clasher, je ne clash plus. Moi, qu'on vous aide à clasher, on ne clash plus. Et de la manière, ne partez plus là-bas. Partez plus. Restez ici. Partez plus. Achat. Clash plus. On sait déjà c'est quoi la cible. Vous visez. Donc, vous allez attaquer les gens. Vous prenez le lot, vous mettez en avant comme le trophée de quoi. Parce qu'on a peur de le lot. Si vous voulez que le lot soit dedans, on met le lot dedans. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas et ça ne chauffera jamais. Voilà. Mais Lolo aussi n'est pas bête. Les gens disent que pourquoi Lolo ne répond pas. Lolo n'est pas bête. Lolo a dit non, non, non. Mais Ngomo Pion a donné le Mbongo avec ses yindis. Elle a pris son, les asticots. C'est quoi les asticots Numba? Elle a mis dans la tête du Mbongo. Celle-là a mangé. Rêve à top. Rêve des dents. Tatana et moi, une place. Tatana, avant, elle faisait les postes de Tatana, elle et Coco. Maintenant, elle faisait Tatana et moi, une place. Tatana et moi, une place. Il a, autant que vous êtes. J'ai peur de vous. Non, patron Maé, tu dis que chaque. Je sais que toi, tu soutiens beaucoup Lolo et tout ce qui va avec. J'ai vu tes commentaires en journée. On a même un peu échangé sur quelques commentaires. Là, je vois un peu ton esprit. Tu dis chacun a sa cible. La cible de Compresso, c'est Rêve. Je suis d'accord. Rêve vient défendre sa soeur et s'assoit sur Compresso. Parce que de Rêve à Compresso, il n'y a pas de souci. Hein. C'est juste les aide-moi à détester. Faut. Moi, j'aime quand la cible est celle qui t'a fait quelque chose. Donc, de Rêve à Compresso, il n'y a aucun souci. C'est parce que Compresso est sur Lolo. Voilà. Et Rêve vient. Il faut dire les choses comme elles sont. Contextualisons les choses. C'est très important. On met à niveau. Tu comprends, non? Et tu dis que Flo et moi, on avait cause à effet. Je suis pas, j'ai pas atterri sur Flo comme un oiseau céleste, comme la PDG des plantains est sur moi sans motif là. Non, 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 non. Moi, c'est cause à effet. Et je peux développer ça même dans 100 ans. Si la mémoire est toujours là, je vais développer. Vous comprenez? Donc, il y a nuance. Et Rêve est sur Compresso pour défendre sa sœur. Point final. Parce que de Compresso à Rêve, il n'y a pas matière. Alors, soyons honnêtes. Disons-nous les choses comme elles sont. Vous comprenez? Non. Voilà. Et c'est de bonne guerre. C'est-à-dire que tu peux choisir de dire que tu viens pour défendre les gens de ta sœur. Et puis tu commences à insulter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sauf que c'est paradoxal. Ce sont juste des mythos. Vous mentez. Je crache plus. Je crache plus. C'est pas moi. Ma mère, j'ai perdu ma mère. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis. Je crache plus. Tu vois, moi. La paix. Pardon, la paix. Ma chacun, pardon. La paix. Donc, toi, pour la cibété, a répondu, ce n'est plus la sœur de Lolo. Elle est la sœur de ma pute. Je pense. Oui, elle défend sa sœur, justement. C'est pour ça que je t'explique que c'est très dangereux. Moi, j'ai refusé que Black Beauty, qui est devenu le mouton, marionnette, parce qu'elle la prenne comme une marionnette. Elle lance les jazz, encre la baisse, écrivent les choses, elles font les choses. C'est pour ça que j'ai bloqué Black Beauty. Black Beauty, qui est la marionnette, et qu'elle est venue dans l'audio. Si elle fait écouter l'audio, elle est honnête. Le nom de Black Beauty était dans l'audio. Parce qu'il faut dire les choses. Je me souviens comme si c'était hier de l'audio. Parce que j'ai une mémoire enregistreuse. J'ai de l'espace. J'ai une grosse tête avec un gros cerveau. Gros cerveau veut dire grosse. Gros souvenir, grosse intelligence, gros tout ce qui est gros. Parce que la tête est grosse, l'espace du cerveau aussi est gros. Donc c'est ça. Grosse mémoire, merci. Donc, Black Beauty, ton nom est sorti dans l'audio. On a dit ceci. Que, parce que j'ai dit à Tatana que tu es venu mentir, que moi j'ai demandé à Blabuti de ne pas cotiser pour la patronat. Elle dit que c'est Blabuti qui m'avait dit ça. J'ai dit en tout cas, dans l'audio, hein, dans l'audio. Et quand elle dit ça, j'ai dit en tout cas, moi j'ai jamais influencé le choix ou la position de qui que ce soit sur Meta. Pas pur, par principe de savoir que chacun gère son blog et chacun est libre de ses choix et de ses positions. D'accord? Et tu as renchéri en disant que Black Beauty t'a envoyé un message. Elle t'a écrit pour te dire que elle n'a jamais dit que la reine m'aide. Et tu lui as répondu que. Et pendant que tu parlais comme ça, il y a encore quelqu'un qui a coupé. Donc Black Beauty est dans l'audio. Mets-toi, hein. Faut pas couper. Mets-toi, ma partie, j'adore. Si tu peux même couper ma partie, tu me donnes, je poste. Parce que maintenant que c'est déjà gâté là, tu me donnes même ma partie, comme mon pion. Moi, je poste ma partie. C'était bon à moi. Tout ce qu'elle dit là-bas, je suis content. Je vous ai bloqué. Je ne vous débloquerai plus jamais. Aussi longtemps que l'histoire de Facebook existe. Je vous dis, élan, autant que vous êtes que j'ai bloqué. Et je ne vous débloquerai plus jamais. D'accord? Et c'est comme ça, c'est pas autrement.
J'ai pas encore bloqué d'autres là, mais d'autres sont en cours de téléchargement de blocage. Quand vous bloquez, vous ne débloquerez plus jamais. Vous allez créer des nouveaux profils pour me suivre. Donc, hâtez-vous de me bloquer avant pour avoir le contrôle sur le blocage comme veuve et comme Flore. Vous comprenez? Parce que veuve, quand elle vient, elle me débloque. Je peux presque recevoir seulement Valérie Bolingo. J'ai vu que son mari lui a offert les fleurs, le que je dis, hein, mais son chaud blanc. Elle dit, hein, ça veut dire que si elle voit, elle m'a débloqué. Sinon, habituellement, je ne la vois pas. Vous comprenez, non? Voilà. Oui, elle a fait chuter sa grande, ce n'est pas plus jalousie. Voilà, donc c'est un peu ça. Les défenses, moi je dis, je ne suis pas d'accord avec les défenses. C'est pour ça que vous voyez que je fonctionne une place. Quand je me connecte, je finis de parler, pas quelqu'un qui va faire un direct pour venir vous parler. Non. Voilà, c'est un peu ça. Nicole, pour Nicole, Nicole avait pris tout le monde. Nicole a commencé à être partout. Moi. Ensuite, donc Nicole a marché comme ça, tout le monde, tout le monde, tout le monde, jusqu'à ce que vous avez fait tomber sa page. Et bien que sa page n'existe plus. La page où elle avait la visibilité et tous les monétisations, vous avez fait tomber ça. Lui, il l'a autant que vous êtes. Oui, c'est ça. J'aime ça jusqu'à. Maman Pépé, la maman Pépé t'envoie les cœurs. Maman, tu as fait comment? Pourquoi Ngomopia ne dorme plus? Voilà. Moi, je bloque toujours. Et les autres, si vous savez, bloquez-moi avant pour avoir le contrôle sur le blocage. Parce que veuve m'enlève quand elle veut. Et parfois, quand elle m'enlève, elle vient écrire. Je vois qu'elle écrit, c'est là que je la bloque pour aussi contrôler le blocage. Mais bloquez-moi avant. Et si c'est moi, je ne peux plus jamais vous débloquer. Ce que j'ai bloqué, pardon, même que vous le voulez, monsieur, on m'a dit qu'elle débloque Christian de Monaco. Christian Monaco, Yako. Papa, la récidive est très grande. Pour que tu retournes la veste, c'est très grand. Je connais comment les gens fonctionnent. C'est un état d'esprit. Être insulté quelqu'un pour rien, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que c'est une façon d'être qui fait en sorte que quelqu'un ne t'a rien fait, mais pas pu. Aide-moi à détester. Tu l'insultes foncièrement pendant des mois, même parfois des années. Ça craint. Pour moi, ce genre de personne, c'est du monde qui ne doit pas m'approcher en temps normal. Parce que si je ne t'ai pas offensé, tu m'insultes des années pour rien et que j'étais bloqué, tu restes seulement là-bas. Crée seulement un autre profil pour me suivre, c'est mieux. Je ne peux même pas aller prendre perdre mon temps pour apprendre à débloquer. Ça ne peut pas arriver. Vous allez souvent rester bloqué. Ceux qui me capturent, n'oubliez pas, prenez, mettez les flèches sur les scènes, vous zoomez ça bien. Mais c'est mon charme. On m'a marié avec ça. Vous n'avez rien de tout ça, mais vous n'êtes pas marié. Vous n'êtes pas marié. Voilà, on ne vous aime pas pour vous marier. On ne peut pas vous mettre dans une maison. Vous n'êtes pas digne d'être dans un foyer. Moi, j'ai ça. J'ai ça. J'ai la tête la plus grosse de la planète. Mais je suis terriblement marié. Quand on vous marie, on voit. C'est tout. Je veux voir. Vous vous amusez même le mariage, là, je viens. Je viens au mariage de la sapin, mon pion. Qui va te prendre? Bachot a mis les pieds à la tête. Ah! Même si tu tues Bachot, qui? Il a une amoureuse là. Quand ça le pique, il poste, il met seulement des zouzous sur sa face. Il a peur. Parce qu'il vous connaît. Les vautours. Vous allez prendre la femme là, l'insulter même 10 ans pour qu'elle quitte derrière lui. Parce que c'est tout le monde qu'on ébranle. Parce que c'est tout le monde qu'on réduit à néant. C'est pas tout le monde. Mais vous avez cru, quoi. Vous avez vraiment cru, il lang autant que vous êtes, il lang, je vous dis ça. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça, il lang autant que vous êtes. Voilà. Marie, quelque chose, c'est Nicole qui est là. C'est comment Nicole me dit que tu es partie à l'école? Oui. Oui, la tête la plus grosse de la planète des méta, tête de papin, donc ça construit les maisons, c'est plein de sagesse, plein d'intérêt. Tu fais bang, je fais bang, bang. Action, réaction, peu importe où on est. Même si on est à la chefferie, on fait ça propre. C'est une affaire que. Il ne faut pas que tu me cherches. Voilà. Il a autant que vous êtes. Regarde-moi ça. Moi, je vais encore nous assis. Hein. Eh Dieu. Et tout encore au soleil. Vous n'êtes pas mariable, dis donc. Qui va vous prendre? Vous êtes là, les Aquala Woman. Les Samsung, les Mbordé. Les autres cachent leur Njomba. Ils sont en train d'insulter les maris des gens. On ne sait même pas qui vous gère. Vous êtes toujours en train d'insulter les familles. Vous êtes en faux pour vous insulter les familles. Déjà, vous caricaturez les dépouilles des familles. Quelqu'un est mort dans une famille, vous le prenez, vous le mettez partout, partout. Et puis vous pensez que si vous êtes bloqué, on va encore vous débloquer. C'est mort. On se sépare définitivement. Et on définit nos relations sur Meta par un lien de séparation. Donc vous et moi, c'est zéro macabre, on fait rien ensemble. Vous comprenez quoi? Voilà. Il l'a tant que vous êtes. Donc chacun doit préserver sa relation. Et c'est vu de ma noble et modeste personne. Sinon, on m'a bloqué. Vous comprenez quoi? Les seuls gens qui n'ont jamais bloqué, j'ai jamais bloqué compresseur, je n'ai jamais bloqué Ngoï Satan. Je l'appelle comme ça, c'est elle qui a cherché. Elle est son papounet perdu et retrouvé là. Qu'elle vient pour faire sa paix, comment ça m'a nagué. Il l'a à elle-même. Donc, voilà. On a déjà vraiment parlé de son nouveau frère. Quel frère? Oui, elle a fait le conversation sur Me Sens Propre. Elle a dit que Me Sens et elle se sont gâtées parce qu'elles ont dit à Me Sens qu'il devait faire le direct qu'il ne clash pas Marthe. Et Me Sens a refusé, il a clashé Marthe. Donc Rêve et elle ont déposé Me Sens. Elle nous a confirmé ça. Vous allez voir qu'à la période là même, personne, c'était le 3.
La conversation a eu lieu le 3. Comme il dit que la semaine passée, c'était pas la semaine passée, le 3. Je suis revenu de mon tour du bas de l'Afrique, là-bas, à côté de Madagascar, le 28. Et le 28 jusqu'au 3, j'avais tout le décalage, parce que le mois de février finissait le 29. J'avais toujours le décalage. Mon décalage a duré jusqu'à... Ça fait presque une semaine. Oui. Je sais pas, cette fois-ci, j'ai eu vraiment le décalage. J'avais un peu des insomnies la nuit et tout. C'est ça. Perdu et quoi? Et retrouvé. Perdu et retrouvé. Oui, pas du tout. On mélange pas les torchons et les éponges. Voilà. Les femmes man marche, elle est bordée. C'est bon à eux là-bas. C'est pas une bordée. C'est quoi là-bas? Hey, là. Maintenant, en posant mon pied, j'ai fait attention jusqu'à Yosh, Bancho, je ne sais plus. Voilà. Elles ne savent pas que c'est comme ça que ça allait faire. Du coup, elle dit qu'elle n'a pas enregistré pour jouer dans les têtes. Ah, car qu'elle fait chaud, qu'elle a enregistré. Oui. Eh bien, qu'elle a enregistré. N'importe quoi. Nous, on n'a pas de problème. Elle a vraiment, dans le truc-là, même à parler de mes sangs dedans. J'ai dit ça, Hora. Il faut qu'elle soit honnête de poster tout. Oui, parce que quand le nom de mes sangs, moi j'ai insulté mes sangs dedans. Moi, j'ai dit la vérité. J'ai dit que quand Patouchou expliquait, parce que Patouchou a expliqué, Lolo a dit qu'est-ce qui s'est passé? Patouchou a expliqué à Lolo. Lolo, moi, prononce ton nom, prononce le nom de tous les gens de Facebook. Vous êtes trop choqués, vous me clashez. Moi, c'est AVC. Bon, Maï. Moi, il m'en fout. Vous me clashez, moi, vous donnez l'élan autant que vous êtes. Il m'en fout. Patouchou, dont Lolo, dans le direct, m'accusait. Dans le téléphone, m'accusait. Et c'est que je dis tout le temps que je n'ai peur de personne, qu'elle se rend compte que c'est à elle que je dis ça. Je dis, mais Lolo, dans tout Facebook, là, tu ne connais pas le nombre de personnes qui sont contre moi. Comment tu peux voir que c'est toi? Moi, je te vois, ferme mes yeux, je te vois pas. Parce qu'on a répété, elle lui dit que c'est à elle. Comment je peux dire, je n'ai peur de personne et une personne pense que c'est à elle? Je dis, mais Lolo, j'ai aucun problème avec toi. Tu n'étais même pas là quand la feuille est passée. Après, Lolo dit, mais je ne comprends pas, Patou, mais qu'est-ce qui se passe là? Patou, elle a dit, Lolo, tu n'étais pas là, voici ce qui s'est passé. Donc, Patou a fait comme une enfant de la maternelle, parce que Patou, Lolo sait exactement ce qui s'est passé. Et Lolo a bien dit, laissez chacun choisir. Pour ma part, il fallait même observer ça à distance. Donc, Patou m'a dit, Lolo, tu ne sais pas, voici ce qui s'est passé. Ils m'ont lavé, séché, rincé, aller-retour, tata Lolo. C'est moi qui avais dit qu'on entre tata Lolo dans l'affaire. Parce que quand ton nom, le nom de quelqu'un sort de mais il entre une fois, il vient entendre son nom. C'est pas qu'on dit que les autres taux de téléphone ont prononcé le nom de quelqu'un. J'ai même, il m'a demandé le numéro de rêve, j'ai envoyé le numéro de rêve. Il a mis rêve avant que rêve n'ait pas entré. Et on nous a dit, sous ce sûr, que Pa Mesmes était de l'autre côté en train d'écouter parce qu'elle voulait montrer, parce que Nadège veut montrer qu'elle maîtrise Facebook. Elle peut ramifier et rattacher tout le monde, téléphoner partout. Il a, Bongo Indi, j'ai dit qu'il a avec tous les asticots qui vont avec. Partout, elle a expliqué à Lolo. Voilà ce qui s'est passé. Ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela. Lolo a dit que moi, ils m'ont dit l'affaire. Si depuis là, il fallait seulement regarder. Lolo a dit ça. Lolo a dit ça dans l'affaire là. Après, Lolo a encore dit, moi, quand on a même dit que la paix, quoi, 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 elle a dit que elle, mais moi, je croyais que tu disais à moi. Mais comme tu dis que tu... c'est la deuxième fois que Lolo me dit ça, Lolo pense toujours quand je dis que je n'ai peur de personne, que c'est d'elle que je peux dire. Personne n'a peur de personne. C'est là, ce respect qui nous lie. J'ai dit que, mais pourquoi tu te sens trop visé? C'est comment? Vous avez une feuille de route sur moi. C'est comment, non? Putain, prenant le caillou, j'ai vu. Oh, ah. Donc moi, il n'est rien contre quelqu'un. Mais s'il veut dire à quelqu'un, il veut lui dire, j'ai pas peur. Ouais, non. Donc voilà ce qu'on a parlé. Et mon pion, moi, un moment, quand Patou a expliqué, j'ai dit que tout ça. Et puis Patou a dit que voilà, on était tranquille, on avait aucun. Et c'est vrai. Parce que si on était comme on était là, on n'avait aucun problème. Je ne sais pas comment j'allais faire pour avoir un souci avec Rêve. Que Rêve va écrire un poste qui est adressé à moi. Ça ne pouvait même pas arriver. Quand étant connecté, Rêve partage. Quand Rêve est connecté, moi, il partage. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une direct. Le direct qui a fait bim pour expliquer les messes basses de Nadège. Rêve a partagé le direct. 15 minutes après, Rêve a enlevé son partage. Et on m'a. C'est-à-dire, moi, j'ai vu le partage de Rêve. Et après, on m'a signalé qu'elle a enlevé. Je n'avais pas capturé. Si j'avais capturé, j'avais dit que tu as partagé, j'avais reposté. J'ai seulement dit, yeah, j'ai plié mon doigt. Bon, ça veut dire qu'elle-même, je ne partage plus ces choses. Vous êtes fous. Donc, où tu viens me faire nyami, anyayou, doumi, adouyou. OK? On a dit ça dans le truc. Et puis, c'est là que j'ai dit dans l'audio. On ne comprend pas, écoute bien l'audio. Je dis que c'est une mémoire. Je m'entends parler, j'ai la mémoire enregistreuse. J'ai dit dans l'audio, tout ça à cause du gros, du gigantesque par un Jansang là, avec ses yeux qu'on ne peut même pas voir, ses lunettes bizarres. Maman, tout de suite, je ne vous mens pas. Dorcas et Na, Tata, et Ngomopion sont montés. Lofombo et Ngomopion sont montés sur moi, maman. Oui, ta Guta là avec ses gros pieds, c'est parce que eux en fait c'est comme égalisé. Pour eux c'est comme si c'est un défi que tu insultes Guta, j'insulte, tu insultes Messa, j'insulte Guta. Moi, vous avez mis les audios de la famille, toi en gros mon pion là, tante de Guta a dit que Google a dit que ceci. Rêve a même fait des posts du genre en disant, Tatana, c'est toi qui donne le ton si Meta. Tu as fait la guitare, on a copié. Tu as fait Google machin, on a aussi copié. Parce que
Quand elle m'a vu mettre quand je coupais les vidéos et je changeais la voix, parce que maintenant avec Zuckerberg, il faut changer la voix, puisque si tu ne changes pas le robot script que c'est une copie, si quelqu'un se plaint et il entend la voix, que c'est la même voix, c'est le robot qui te signale. Donc moi, je changeais la voix. Donc j'ai mis un truc de rêve. Déjà, elle a la voix, comme vous connaissez, ça a encore changé sa voix. Elle s'est sentie frustrée, elle s'est dit que je copie Tatana, comme Tatana a fait Google, elle avait fait un Google pour insulter ma CCC, cliente, copine, chou. Voilà. Et j'ai lu ça. C'était toujours des pics, tout le temps. Rêve savait m'appeler. Un jour, j'ai mis un post sur Facebook. Rêve m'a appelé pour me dire qu'est-ce qui se passe. Je lui ai expliqué. Donc, Rêve sait m'appeler. Le numéro de Rêve est dans mon téléphone. Mais elle a vu ça, elle m'a pas appelé parce qu'il me fait un post. Donc, c'était déjà un genre que, comme on n'a pas pris ce qu'ils veulent, ils vont nous combattre. Et c'était un combat de titans. C'était parti. Partout portait les gants. Partout, mais je vous jure, je lui donne vraiment le brassard. Elle était capable de se maîtriser longtemps et de s'écouler sur le rocher. Moi, non. Dès que j'ai vu qu'on a dit que tata, j'ai sorti que tatana. J'ai tapé sexuel un tour. Et pas tourner parce que moi je suis amie avec personne. Faut que vous sachiez ça. Je cherche pas les copines ici là. Donc ça ne va pas. On dit c'est qui est. Je vais pas dire que parce que c'est mon ami, je couvre. Et si mon ami n'aime, je vais dire à mon ami qu'elle n'aime. Si moi aussi n'aime mon ami, je dis que oui, mon ami, je comprends. Mais tu sais qu'il fallait que je fasse comme ça parce que je m'explique. On avance. Ok. Donc Patoumel a fait vu et ignorer sur 25 directs sur elle. Les posts de Rêve nous visaient depuis ce temps-là. Tout le temps. Je dis bien, tout le temps. Rêve se. Elle se comprimait. Elle était comme à bloc. Et il y avait des pics qu'elle envoyait. Mais comme ils ont les teams, déjà les teams vont dire que ti, 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 elles ont peur de vous. Moi, je vous adresse un tour. Je m'en fous. J'ai dit, quand ça va pas, vous donne les élans, vous tous. Je m'en fous. OK? Et alors, c'est comme ça que tranquillement, on a avancé. Et on s'est rendu compte que vraiment, Nadège, parce qu'on n'a pas accepté, elle veut nous achever. Et qui va accepter de mourir pour les affaires d'un monsieur, Jiang Sang, qui lui-même était sorti ici, clasher sa femme et tout. Nous, quoi, dedans? J'ai dit qu'il ne peut pas accepter. D'ailleurs, lui-même n'est pas des moindres. Donc, j'ai dit ça, hoha. Donc voilà l'histoire. Donc maintenant, quand ça tourne comme ça tourne, Nadège, Rêve sort, elle fait les trucs et les piques. Et maintenant, on va me dire, tu prononces Rêve, tu prononces le lot. Donc on va être suffisant pour prononcer les noms des gens. Vous êtes sérieux. Patou était en direct. Ça, c'est le Terminator. Quand ma CCC, quand je dis ma CCC, c'est cliente, copine, chou. Je suis l'avocate de la Gutabos et la représentante des produits, des gutations liposomales. Voilà. Et Patou, je suis en direct. Tu vois, non. Patouchou était en direct et Patouchou, quand la Guta a fait le direct et a expliqué la patouse, vous savez qu'on utilise des termes vraiment. Et Patouchou a lancé le direct immédiatement. Elle dit que, oh, 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 venez, oh, oh, c'est chaud. Elle voulait décrypter sa chouchou. Tatana est montée dans le direct. Dis à Patouchou, hein, sur mes enfants, que coupe le direct là. Ne parle pas de ça. Patouchou a coupé le direct, pouvait mourir. Je ne parle pas des voyages du Cameroun. J'ai jamais voyagé pour la cause du Cameroun. Tu comprends? Mon avenir était sans issue. Mon avenir était fou. J'ai quitté. Je ne vais pas venir me dire parler des choses. Je vais te bloquer. Il lang. Non, non, le Congo. Ça, tu ne vas pas là où il y a le gouvernement, les gens avec les peintures, les drapeaux et tout. Bloqué. Tu me parles des choses du Cameroun. Je viens voyager pour le Cameroun. Il lang. Tu vois comment j'ai fait pour arriver ici, même me mettre. Je suis brûlé. Donc, Patouchou. Patouchou. À raccrocher. Et dans le direct, là, j'ai écrit que moi, je vais faire le direct de ça. Elles savent. Elles font les choses, là, aux gens qui acceptent. Moi, ils n'acceptent rien. OK? Franchement. C'est comme ça que, finalement, quand Patouche a raccroché, moi, il a lancé le direct. Ouha. Mais peut-être que je ne parlais pas trop de Patouche, mais je parlais toujours de l'affaire. Mais mon pion ne peut pas me téléphoner pour influencer mon choix. Elle sait que je suis. Elle me m'a dit dans le Dieu, il faut mettre tout, hein. Dans le Dieu, tu m'as donné une fleur. Oui, je me souviens. Elle a dit dans le Dieu que j'aime trop la reine Nebio parce qu'elle est très véridique. C'est une personne. Elle dit, si elle veut dire, elle dit, si elle... mon pion m'a donné des fleurs dans le Dieu, là. Monsieur Amo, tu te souviens? Oui, mon pion m'a donné des fleurs. Et Jaguar était là tout le long parce que Jaguar était là en eau, parlait, écoutait tout. Donc ils sont couchés chez eux, ils savent que ce que j'ai dit, c'est la vérité. Voilà, c'est ça qui est bon. Moi, je vais vous dire une chose. J'ai 52 balais. À 52 balais, on était, je vais, plus. On met tout au propre, on avance. Parce qu'on parle, je ne vais pas encore dire à Dieu qu'un jour, on s'est trouvé dans un direct. Ça fait que, non, tout est clair. Avant de quitter ici, mais tout ça est clair. Je suis l'ami de personne. Je ne cherche pas les amis sur Meta. Vous comprenez, non? Voilà. Patouchou, dans le duo de téléphone, comme mon pion a dit que j'aime beaucoup la reine Mébio. Je l'aime beaucoup parce que elle est très tranchée, véridique et qu'elle dit ces choses. Ce qui les énerve, je vous dis ce qui énerve, ces prostichiennes-là. C'est des gens qui aiment couvrir ce qui n'est pas couvrable. Et je vais te bloquer. Je te bloque, imbécile.
Tu comprends, non? Ils te bloquent. Tu as écrit, tu as encore effacé. Ça va te bloquer, tu vas aller voir. Ce qui est bien, c'est qu'ils écrivent, ils effacent encore. Assumez vos propos jusqu'à la fin. Ne parlez des affaires des tables. Je parle tout. Je suis sur le bloc. Je pense ce dont je suis. Bon, mon pion m'a insulté pendant 2 ans au nom de Flore. Elle était avec toutes les abeilles possibles. Son mur était mon carrefour pour m'insulter. Donc, elle était une pimentière patentée. Elle voulait protéger son audio que Flore avait quand elle prenait un client en vis-à-vis. D'accord? Et seulement pour s'aimer à laver, fatiguée, pour que Flore voie qu'elle lui prête allégeance et Flore enlève l'audio. L'audio n'est plus jamais venu sur Facebook. Nous le savons tous. Donc, ma chérie, je parle de tous ceux qui regardent Facebook dans le Facebook Mbrakata. Oui, je suis monétisée que dans le Facebook Mbrakata. Ça t'énerve, tu quittes. Tu comprends, non? Quand vous mettez vos commentaires, laissez pour me donner l'occasion de vous bloquer. Ouais, mais elle peut me tuer. Oui, quand elle ferme mes yeux, je ne les vois pas. Je ne les vois pas. On dit des abscisses. C'est les gens, équation. Tu vois, non? Voilà. Faites aussi vos directs. Vous me déposez comme vous voulez. Je ne vais pas voir. Vous me suivez. Moi, je ne vous suis pas. Quand elle passe comme ça, elle retranscrit. Dites-moi, est-ce que Rêve est en train de retranscrire? On peut lui faire un petit clin d'œil là-bas. Mais c'est une waka, non? Est-ce que papa n'est pas une waka? Elle dit ses valises. Elle m'a accepté, non? Patou, alors, finit avec elle. Patou a dit qu'elle était avec sa petite fille. Oh, Patou. Ouais, Patou a fini avec elle. Quand Patou démarre, hein, c'est la magie. Patou s'est beaucoup maîtrisé. Je vous assure. Si Patou monte sur eux, là, il faut qu'elle digère seulement. Moi, il regardait Patou comme ça. Il dit que celle-ci, c'est une extraterrestre. Moi, je ne peux même pas. Je te donne 2 jours que je sais quoi. Mais Zignarbamon, je te finis avec toi maintenant. Quand elle me lève le matin, là, c'est derrière moi. Parce qu'elle me couche pour dormir dedans. Hein. 5 minutes, je suis à ma go. Sommeil, bon matin. Il n'y a rien qui me perturbe. Vous êtes qui? Vous êtes devant ma porte, vous m'empêchez d'entrer chez moi. Vous êtes qui? Si elle me lève, elle dit qu'elle va aller faire un petit pelé là. Ou un petit 6 colons là. Qu'elle va brûler les mbunga, mettre dedans un genre avec l'huile rouge là. Vous allez m'empêcher avec quoi? Fais mon 6 colons, tape mon piment et bois ça. Et mes choses. Vous êtes sur ma cuisinière, vous êtes sur mon lit, vous êtes dans ma porte de ma chambre, vous êtes devant ma voiture pour m'empêcher de démarrer. Je m'en fous de vous. Il est doué. Il est autant que vous êtes. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc dans l'audio là, je vais encore me rappeler de quoi est. Dorcas, c'est moi, on a pris, José a dit ça. Fais la magie. Dorcas, ça dit que j'étais clash, je dis, va clasher. C'est chaud. Elle dit que tant que pas faire, Borosangi. Elle me donne un nom, c'est Mère d'Aloi. J'ai même demandé dans le Dieu que Mère d'Aloi, c'est comme elle dit que demande aux Ivoiriens. Elle dit, je parle avec les Ivoiriens. Elle me donne un nom, elle demande, c'est quoi, vous ne pouvez pas me dire. Je te suis depuis tes débuts. Tu savais, hein, ton concept ici, tu ne connaissais même pas clasher. Tellement tu as pris les injures ici, tu es sorti pour défendre ton honneur et celle de ta famille. S'il te plaît, reviens comme avant. Cherche autre chose à faire. Tu es tellement intelligent. Non, non, pour le moment, je dois finir avec les vieilles choses. Et parfois, de parler, on le sait. Je prends pas mal. Non, je prends pas mal. Je ne vais pas te bloquer, mais je suis avec les vieilles choses aussi. Parce que je mange mon argent ici. Hein. Je me paye. Comme je suis là, il y a l'argent qui va monter sur ça. Et tu vois que je les donne ça lentement. Sûrement, et bien, dans les règles. Là, ils sont en train de signaler. Ils ont un groupe de signalement. Mais chez moi, comme je parle bien, Zoukembe va dire, ben, quand j'écoute depuis, il n'y a pas un mot que je vais laisser. Je vais la laisser. Donc, elle veut vous insulter. Parle en patois. Chop zin, chop là. Tout, 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 voilà. Vraiment, ils sont trop hypocrites. Reste-toi. Oui, oui, une place. Nous, on aime ta vérité. Oui, moi, j'ai confiance. Goat, hein? Craft, tu ne dors pas. Godcraft, c'est qui? Tu parles à qui? Parce que si c'est sujet, verbe, complément. Tu n'écris pas bien tes blocs. Godcraft, bon, oui, Sandra, épée. Tu parles à qui? Mets vite sujet, parce que je vais bloquer comme je ne comprends pas l'affaire. Je ne connais pas des bloqués. Non, mais qui on qui offre? Moi, je veux des gens qui sont pas petits, pour civiliser leur sujet, verbe, complément. Les enfants pleurent et veulent manger. Quels enfants? Seigneur, pardonne-moi, mais je sais, cette papa. Insulte le patois. Oui, j'insulte mon camp patois. C'est tout. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas. Ils ne comprennent pas. J'ai bloqué 55, plus de 55 000 personnes. Vous vous rendez compte? C'est pour ça ma page est un peu comme si elle est sécurisée, genre. C'est pour ça. J'ai bloqué jusqu'à ce plus bien. Ah oui, ils sont là. Ils ont tout fait. Il faut qu'on fasse tomber la page de la mer, là. Donc, ils sont beaucoup, hein, individus avec page. On a la PDG des plantaines. On a la, celle-là, celle qui vient d'acheter le HLM. elle a fait des travaux dans la cuisine des HLM. Elle dit qu'elle a acheté. On a aussi Ngomopion, qui est dans un autre HLM, elle dit qu'elle voulait acheter. Elles veulent toujours, hein, on ne sait pas. On a Rêve qui s'ajoute à la danse. On a qui d'autre là? Ils sont beaucoup, hein. Qui d'autre? Le morguier, hein, la momie ambulante. On a, je dis, 5 personnes. Hein. On a qui d'autre? J'oublie qui. Ils sont pleins là. Et puis les faux profils de Ngoy, comme les Claude Akame, toute la bande qui s'y mêle et tout et tout. Et voilà.
C'est pourquoi hein, un être humain invisible, on a la blague butique qui est devenue leur marionnette et qui la prenne la tourne. On dit que hier, Ngomopion était dans son direct en train de s'agiter là-bas et la prendre pour la manipuler. Or que son nom est même dans les audios qu'elle est venue dire que quoi a fait. Il y a son nom dedans. Bon, on a tout ça. Donc, c'est des personnes vivantes avec des pages qui sont sur moi. Moi, je suis seule. Je les mets au sol. Je les mets au sol. Voilà. Je les regarde autant qu'elles sont. Il en. Voilà. Il en. Non, c'est une fois. C'est une jambe. Vous comprenez quoi? J'ai oublié qui? On a Angoulême. Merci. On a oublié Angoulême. On a Angoulême. Voilà. Sandra, et puis je te bloque parce que je ne sais pas à qui tu t'adresses. Je te bloque. Voilà. Moi, il y a des sujets qu'on doit parler. Tu dis à qui d'aller dormir en plein 17, 16h24. Je te bloque. Je ne connais plus beaucoup. Comment bloquer? Mais tu les insultes pas. Tu leur donnes tout simplement leur attribut. Oui, je mets chacun à sa place, mon frère. Notre tésine dans les règles de l'hypocrisie de Paris. Je ne suis pas dedans. Les fémans marchent avec les bordés. Donc, bye bye. Donc, l'ex-père n'a qu'à récupérer sa future fille prodige. Les ex-futurs, futurs ex. Parce que même là, ça va retourner encore comme ça va tourner. On est assis ici. Moi, je ne veux plus. C'est bon. Pour moi, c'est bon comme ça. Vous pouvez même me bloquer si vous voulez. Moi, je ne vais pas vous bloquer par exemple, mais vous pouvez me bloquer si vous voulez. On n'a rien à foutre. Vous là, là où je vous ai mis, vous allez seulement rester là parce que j'ai vu. J'ai parlé au moins 2 semaines. J'ai demandé que voir les nagages. On a entendu qu'on nous a reçus à la rébus. Oh, que vous savez qu'on ne nous a pas reçus. Le Père n'a jamais rien écrit. Mais ils sont venus écrire des longues bibles sur mon poste que j'ai capturé. Vous savez pourquoi j'ai capturé votre poste, monsieur et madame Amotte? Parce que je ne voulais pas commenter chez vous pour donner la chance à ces quelques maigres gens que je n'ai pas encore bloqués de venir se mouvoir sur mon commentaire. Donc, j'ai préféré capturer votre poste et reposter chez moi. Vous avez pris quand même le courage de venir commenter sous ce poste chez moi. Pardon, il faut rester chez vous. Chacun est chez lui. Restez chez vous, pardon. Ah, elle publie Leslie. Elle n'a qu'à publier. Leslie connaît déjà qu'il y a les folles. Livna, pareil. Elles savent déjà qu'il y a les folles sur Meta. Il y a folles alignées. Elles n'aiment même pas les réseaux de toutes les façons. Le travail ne les amène pas là-bas. C'est moi, je suis là. Moi, je suis là. Tout ce que vous avez dit ne va rien changer. On sait déjà, les amis de Leslie savent que leur mère, c'est une influenceuse. Et dans tout le monde qui est influence ou qui est sur le net suivi, on sait qu'il y a les hackers, il y a les gens qui combattent. Voilà. Oui, j'ai dit les faits propres, je n'invente rien. Je m'en fous, vous allez me faire quoi? Vous, à Paris, vous étouffez. Vous êtes hypocrite. Mais on attend quand tu vas faire le partage pour s'inspirer. Non, il n'y a pas de souci, mais pour le moment, on est dans le Facebook Mbrakata. Laisse d'abord gérer le Mbrakata. Parce que l'argent doit entrer. Hein. Chaque mois, Zuckerberg met l'argent. Le 22, là, il va mettre le chèque. Là, comme ça, en direct, là, le chèque est en train de monter. L'argent monte sur ça. C'est la différence. Voilà. C'est un peu ça, Nino. Je suis en business. Je discute avec personne là-dessus. Vous comprenez, je suis en business. Voilà. Oh oui. Et je les dépasse toutes, autant qu'elles sont. Goya a dit qu'elle fête l'anniversaire du chantier. Ça ne veut pas qu'on a le chantier parce qu'on fête un an du chantier. Yo, Malé, quelqu'un est venu m'insulter là-bas que tu dis qu'elle fête le chantier. Tom, tu as fait quel chantier? J'ai pas besoin. Chacun. Moi, j'ai le locataire. Moi, je suis propriétaire. On me dépose de l'argent chaque mois. Moi, héritage de mon père. C'est un peu ça. Voilà. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Vous comprenez, non? Alors, à l'heure, si tout le monde connaît maintenant son couloir, on va se mettre évoluer dans nos couloirs respectifs. Et voilà, personne ne va déranger personne. Moi, mon mur, il y a des gens qui écrivent les messages supprimés. Je vous ai dit d'arrêter de faire ça. Et ce matin, je fais un direct. Je vais chuter avec ça. J'ai parlé de l'hypocrisie notoire des gens de France. Je reviens là-dessus parce qu'il faut que j'explique bien. J'ai plein de lolomaniacs qui sont dans mon inbox. Quand je dis plein, je ne suis pas en train de blaguer. Je peux, c'est parce que je n'ai pas envie de mettre les voix des gens. On va reconnaître que ça, c'est la voix de Chantal, ça, c'est la voix d'Agnès, ça, c'est plein de lolomaniacs parce que je sors des sympathisants de la team de Lolo. Et s'il vous plaît, dans le clash, l'angomopion m'a interdit d'être sympathisant de Lolo. Elle avait enlevé ça dans le clash. Bon, Lolo, elle n'a pas vu. Lolo était à Abidjan, elle n'a pas vu. Disons-nous comme ça, acceptons qu'elle n'a pas vu. Babi bam, elle lui accorde le bénéfice du doute. Elle n'a rien vu. Elle est arrivée, puis bim, voilà. Mais je dis, l'hypocrisie des gens de France et de certaines personnes, même des teams et des leaders, parce qu'ils ont des affinités, parce que ces gens, on ne parle pas, parce que c'est Pierre, on parle. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, tu peux être même mon ami, tu ne t'aimes, tu dis d'abord que mon ami, tu aimes, avant qu'on continue. Voilà. Et j'ai parlé de ça ce matin brièvement, je veux revenir, parce que j'ai des personnes dans mon inbox, par exemple, qui vont venir me dire du genre, j'étais avant l'Olomania, je ne suis plus l'Olomania, j'ai changé mon nom, mon nouveau nom c'est ceci, ou quoi machin, et je vois bien leur nouveau nom dans les commentaires, je salue même quelques-uns qui sont là, mais je dis, c'est lâche. J'ai dit que c'est lâche, pourquoi? Nous voulons éradiquer une gangrène sur Meta. La gangrène qui puisse être le genre de personne qui manque d'arguments une fois après avoir attaqué les gens. Il manque tellement d'arguments pour développer leur raison de guerre
et utilise des attributs et des histoires abracadabrantes des familles des gens vrais, invraisemblables, dignes d'un film tourné sur les genoux de moustiques, et viennent déposer tant il y a au moins 1000 ou 1500 personnes qui écoutent ça et qui relaient l'information nauséabonde, macabre, piteux, ténébreux, qui ne peut même pas exister sur la planète et véhicule ce genre d'information. Nous voulons éradiquer la gangrène. Une toi, une lolomania, ok? Une lolomania qui n'est pas d'accord avec les agissements de rêve, parce que ces rêves, on se plaint beaucoup de rêves, pas de Ngomopion, parce que Ngomopion est arrivé, ça fait pas longtemps dans la team, voilà, par le biais de Wakatolo. Wakatolo qui était la personne de Ngomopion, nous avons tous vu comment les choses se sont passées. Ngomopion est arrivé, ça fait pas longtemps, mais avec son esprit, parce qu'elle se promène avec les vous, Agrakak, Agrakak, le panier, vous savez le panier qu'on mettait les ignants, on mettait sur la tête, pour elle, c'est le cac de les vous qu'elle marche avec sur sa tête, pour détruire tout sur son passage. Elle est arrivée dans cette team, elle a prêté allégeance, elle a pris place. Quand il y a eu des soucis, elle m'a même interdit d'être dans cette team, cette Ngomopion. Voilà les gens comme les Lolomania qui sont offusqués du fait qu'on a détruit leur team. Je le dis haut et fort. Je dis la vérité, ne ment pas. Elles viennent m'écrire. Moi, je leur ai dit, j'ai trouvé que c'est faux, c'est mesquin. Parce que tu ne peux pas me dire, tu as un faux profil. Tu rechanges ton profil pour prendre un nouveau et tu fonces. Tu dis, c'est moi l'ancien tel. Et le tel là n'existe plus. Hein. Ta probabilité pour que tu reviennes encore à l'ancien Telegram, c'est mieux de garder ton nom et de t'exprimer sur ton mur, avec même un poste si tu n'es pas capable de sortir de ton noir et de dire ce qui n'a pas fonctionné, ce qui t'a frustré. Si, autant que vous êtes dans mon inbox, vous avez pu expliquer ça à cette rêve, peut-être elle pourra réaliser effectivement où le bât blesse. Vous comprenez? Donc vraiment, moi, il ne faut pas qu'ils reviennent à la raison, s'il vous plaît. Non. Moi, je veux même plus de coups de fil. Qu'on ne m'appelle plus pour une paix. Parce que moi, les paix, j'ai pas besoin. J'ai vraiment pas besoin. La paix avec compression, je l'approuve. Je l'ai vécu en vis-à-vis. C'était comme ça. Mais les autres, je veux pas. Vous comprenez? Je veux pas de paix. On m'appelle pas. S'il vous plaît, ne sonnez pas mon téléphone. Vous bloquez, vous manquez de respect. Ne sonnez plus mon téléphone pour quoi que ce soit. Voilà. Je préfère être la plus haineuse. Ça me dérange pas. Ou celle qui refuse la paix. Ça me dérange pas. Ça, c'était la parenthèse. Ces personnes-là, qui sont offusquées par comment les choses se sont passées, devaient avoir assez de cran de se connecter elles-mêmes depuis leur page respective de leader actif, parce qu'elles sont, elles sont plus dans les teams là, et profiter de cette occasion et s'exprimer. Parce que vous savez, quand ces gens n'ont rien qui leur fait savoir qu'elles ont d'aime, elles font comme si tout baigne, quoi. Pourtant, c'est grave ce qui se passe. Moi, je suis une personne qui n'avait pas plus de 100 personnes ou 200 cas à se connecter. Mon quota, c'était 350. Maintenant, je n'ai, même le matin qu'elle dit bonjour, j'ai 400 ou 500 personnes qui me disent bonjour, bon matin. Ça veut dire qu'il y a le bas blesse. Donc, organisez-vous. Parce que, mine de rien, même avec les Lolomaya sympathisants, je n'avais pas 300 ou 300 personnes. Je vous dis déjà, tous les matins, j'avais 100, 150, pas plus. Pas plus, je vous dis sincèrement. Et quand je tuais, c'était 300. Et là, je suis arrivé même à 1500. On va dire que oui, les Técassiens sont avec toi. Ça veut dire que dans les Lolomaya ne me suivaient pas. Non, ils me suivaient. Mais c'était un genre. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est que Facebook est en train de prendre une tournure. Il n'y aura plus de Facebook à la façon que Ngomopion veut traiter Facebook. Vous voyez, non? J'ai dit qu'il n'y aura plus de Facebook à la façon que Ngomopion veut traiter Facebook. Ce genre de Facebook va être un Facebook nul et non advenu. On va l'envoyer dans les terres arides. Je vous dis ça. Il n'y aura plus de Facebook de la manière que Ngomopion va traiter Facebook. Vous voyez, non? Donc, franchement, il faut que ces personnes qui sont sortis de l'Allemagne, qui ont réalisé le coup que Rêve a fait à sa grande sœur, par pure jalousie et par pure aide-moi à détester, qu'ils soient capables d'expliquer ce qui les a choqués. C'est important de le mettre sur les réseaux, parce que c'est sur les réseaux que ça se passe. Quand tu viens me dire un inbox, moi je m'en fous, moi mon inbox je le mets pour grand jour. C'est comme tu n'as rien fait. Quand tu changes de nom, tu mutes. Ça veut dire que tu mutes pour remuter. On sait déjà comment le tourbillonnage se passe. C'est mieux de rester toi. Comme moi, je suis moi devant vous. Authentique avec tout. C'est-à-dire que zoomer, Claude Akam, tu mets ça où je pense. Et je vous parle. Vous comprenez? Je vous parle dans l'heure juste et la vérité. Donc, c'est important d'assumer son choix et ses positions et d'être capable de mettre des mots M-O-T-S pour éviter des mots M-A-U-X. Je vous le dis. Et vous allez voir que la gangrène va finir par être éradiquée. Quand elles vont lancer les diapos, le père avait fait comme ça, la mère avait fait ceci, la co-épousée, empoisonnée, elle est comme ça, tout ce qu'ils sont en train de raconter, ça va finir dans les terres arides. Parce que les murs de haine, il n'y a pas beaucoup de gens qui visitent ça. Vous allez voir que les commentaires dans les murs de haine ne sont pas nombreux, je vous le garantis.
n'y a pas beaucoup de commentaires dans les murs de haine. Qu'on caricature, mais ils viennent comme ça, ils guettent seulement comme ça, là, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Voilà. Les gens t'ont tellement donné une mauvaise image. Oui. J'ai toujours été ce que je suis aujourd'hui. Et c'est parce que j'ai persévéré. C'est parce que j'ai l'engouement. Je suis une femme qui a le discernement. L'engouement, il y a 10. Et quand je tiens mon bout, je le tiens. Mes amis, ceux qui me suivent, même ma famille le sait. Vous voyez, non? Donc, c'est très important. Je dis ça aux lolomania parce que c'est là-bas que c'est chaud. J'ai les inbox, c'est la magie, qui m'écrivent tout le temps. Vous comprenez? Ils m'appellent. Moi, je veux que tu écrives ta frustration à ta team. Vous voyez, non? À ta team. Oui. Vous comprenez ce que j'ai dit là? Je n'ai pas peur de vous. Je vous dis élan autant que vous êtes, si vous n'êtes pas dans le droit chemin et moi. Et m'en fous. Vous comprenez quoi? Parce qu'elle ferme ma caméra. Je vais voir mon chéri. Je vais voir mes enfants. Il est quelle heure? Il est 34. Ma petite louloute vient d'entrer. Je vais gérer ma famille. Je m'en fous de vous. Royalement. Et je vous invite à faire pareil. En foutez-vous de moi. Pourquoi vous faites une fixation sur une femme qui est équilibrée? Je sors du travail. J'ai ma famille. J'ai un week-end. J'ai ma cistoucienne, papa travaille. Je fais la paix. On se trouve quelque part. On se prend un verre. Écoutez. Ma vie a du contenu. Samedi passé, c'était la soirée que vous avez signalé à souhaiter que ça va faire poteau. La PDG, c'est qui m'a dit boule de couscous. On a vu comment tout s'est passé. C'est-à-dire qu'on fouette avec les actions. Calmement. Parce que l'assurance, la confiance, c'est-à-dire que le vouloir et le faire, l'engouement, l'ardiesse, ça va avec. Moi, je vous invite. C'est ça qui va faire qu'on va éradiquer la gangrène. Moi, j'ai d'autres qui m'appellent. Ouais, tu vas bien. J'en ai une là. Tu vas bien. Ouais, ce matin, tu as dit ceci. Je pense que comme tu as dit là, c'est pas comme ça que je suis. Je dis non, c'est pas à toi que je m'adressais, ma chérie. C'est toujours une lolomania. Je dis, je vais très bien. Je me porte comme un charme. Je suis pas pour filmer l'intérieur de ma maison pour vous montrer ou pour filmer mes vases. Évidemment, mon intimité, j'y tiens. Oui. J'ai dit, même le Congo, ça de venir dire, oh, ta mère, regarde. On a un gomopi, elle a un procès. Tout ce qu'on parle ici, elle est soit avec un procès. Elle a un procès. Donc elle là, elle seule, elle est sur moi, sur partout, chose, sur ceci, sur bien, elle a un procès qui s'ajoute à ça. Donc la cerise sur le gâteau, c'est son procès. Elle s'est levée ici sur Guta, raconter toutes sortes de choses avec Google Audio, jusqu'à rêve a pris ça pour ménager. Ok? Mais tu es en train de parler à quelqu'un, tu dis que tu es avocate de Jean-Louis Messin. Mais moi je suis avocate de Guta, vous m'avez vu sortir sur la mère, la grand-mère de Messin, sans ceci, sans cela. Non! Non, 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 j'ai pas besoin. Je prends monsieur Messin, roi du mal, avec les faits saillants de Facebook, on s'arrête là. On ne parle pas dans la démesure. C'est très important. J'ai pris monsieur Amot avec l'action qu'il a fait, le fait qu'il a refusé de tuer le coche que Patou Mel et moi on essuie depuis quelques deux semaines, que sa fille a fait un retour combat. Je l'ai pris, je l'ai mis petit vélo et ça s'est arrêté là. J'ai pas besoin d'aller soulever, mais je ne sais pas trop bien quoi. Même si je sais qu'on va me dire que sa famille sort de tel endroit, attends, on va aller chercher tel. Arrêtez. Vous comprenez, non? Vous comprenez, non? Donc, il faut savoir dire avec des mots. Parce que moi, j'ai 52 balles. 52 balles, on ne fait plus le brouillon. La vie au propre depuis longtemps. Si vous êtes encore patron, c'est celle-là qui est sur moi. On me dit que pourquoi elle est sur toi. Mais c'est une fille qui a pris un HLM, faire les travaux de cuisine avec les meubles de Ikea. Et venir me parler. Elle vient d'accueillir la propriété à son vieil âge. Moi, je suis là depuis des années. Moi, je suis en train d'autre chose. Vous comprenez? Quoi? Je peux dire que je mène un appartement. C'est bon pour moi déjà comme ça. J'ai plus besoin de cours de jardin, de si c'est bon comme ça. On n'a pas les mêmes vies. Et parallèlement, je suis terriblement mariée. Elles sont, je ne sais pas qui les prend, hein. Moi je ne sais pas, battez-vous, moi je ne sais pas. Vous êtes là, la famille, les vies, les... Vous pensez que depuis des années, que vous prenez les familles des gens, vous exposez, vous racontez tout ce que vous pensez. Hein? Tout ce que vous pensez. Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? C'est qui que je dois bloquer? Je vous ai dit de mettre les têtes de moi, on vient de m'écrire que je dois bloquer quelqu'un. Hein? On vient de m'écrire que je dois bloquer quelqu'un. Dites-moi vite c'est qui, ouais. Depuis la paix avec Maléba, tu as les vues. Je peux dire ça comme ça parce que les Técassiens sont venus. Ça veut dire que chez Lolo, je n'avais pas les vues. Donc, ça veut dire que j'étais annexe de la team et on ne me met pas ça. Je pense pas que c'est ça. Je pense qu'il y a aussi des gens qui ne sont ni dans aucune team, mais qui aiment mon aura. Ça veut dire qu'il y a les Técassiens parce que j'ai bloqué aussi beaucoup. Hein. Non, il faut que je te dise, hein, petit piment. J'ai bloqué beaucoup. Hein. Beaucoup, 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 je te promets. On m'a dit envoyer les lèvres. Mon bébé blonde Alice, il y a dans mon inbox fatigué. Je ne débloque personne. Oui, je ne débloque personne. Ils vont rester là-bas. Désolé, c'est comme ça. D'accord? Et moi, je dis, il faut qu'on arrête un peu. C'est trop d'enfants. Voilà, pas tout, mais on va donner l'adresse de sa maison. L'adresse d'une maison d'une personne, ça, c'est un autre procès. Ça dit, tu peux finir avec un procès quand on te colle encore mon pion. Tu vas passer ta vie entre les valises. Flore a dit quelque chose de très pertinent. En tant qu'ancienne pimentière, avec l'expérience dans le domaine, elle a dit que quand elle faisait son piment avant et qu'elle devait faire les clashs entre deux clients, c'était difficile de suivre. Et que depuis, elle ne fait plus les clashs. C'est pour ça qu'elle est concentrée sur son piment et son chantier, entre guillemets. D'accord? Parce que tu ne peux pas suivre plusieurs lièvres à la fois.
Quand moi je suis au travail, vous ne gérez pas. Je ne gère personne, je suis au travail. Attends, hein. Où est la fille là? Est-ce que quelqu'un peut m'écrire une tête de mort sur. Ouais, si je ne vois pas le nom, m'a donné un nom là. D'une sapin là, qui est dans le direct. Si elle n'a pas commenté. Regardez vite si elle a commenté, vous me dites, cherchez d'abord son nom si elle a commenté. Si elle a commenté, pas la bloquer maintenant parce qu'elle est en train de m'insulter chez le roi du mal. Et elle vient ici là. Il l'a. Si c'est juste qu'elle est entrée, vous la voyez qu'elle est entrée, c'est que c'est correct. Voilà. Mais je suis comme monsieur, mais sans lui, il est content de tout ce qui se passe là. Oui. Voilà. Il est très content de voir qu'il y a un virement de situation. Ça lui donne un peu le break. Parce que là, ça lui donne le repos. Ouais, non. La fille n'en a pas commenté, elle est seulement là. Mais elle a bloqué après. Merci. Ton Patricia de Paris. Il l'a. Someone, Patricia de Paris. Prends comme ça 1000 fois. Imbécile. Tout il l'a. Voilà. Non, c'est ça. Elle n'est pas vue. Elle n'a pas commenté. Elle est seulement là en train de regarder. Elle te bloquait après Patricia de Paris. Elle vient de m'informer que tu es ici et tu m'insultes tout le temps chez Monsieur Saleté. Allez retranscrire. Allez dans les pages de retranscription. Vous avez peur de vous. Off. Vous venez dans les directs. Vous venez inventer et tout et tout. Lydia Delbago. Delgabo, si j'étais bloqué après. Mettez seulement les noms. Les messages arrivent avec vos noms. Lydia Delbago. Ah! Fumon, il l'a. Autant que vous êtes là-bas. Je ne croyais pas débloquer. Oh, excusez-moi. Je préfère. Je suis suivi par l'élite. La crème. Je débloque plus. C'est comme ça que j'ai bloqué. Non, je bloque jusqu'à. Il y a quelqu'un qui m'a écrit 3 paragraphes aujourd'hui. Je ne vais pas les chercher quand ma pause est arrivée. Je ne le trouve plus. Je dis, ouais, Seigneur. Ouais, comment j'ai fait? Dans les lolomania. Qui mutez, vous préférez muter vos comptes au lieu de taper ce que dit la vérité dans votre team, ce qui vous a frustré, que vous avancez calmement et qu'on est venu vous mettre dans une situation embarrassante. C'est mieux de le dire avec des mots au lieu de venir, par exemple, muter ou changer. Dites-leur parce que c'est comme ça qu'on éradique la gangrène. La gangrène, c'est très important. C'est comme ça qu'on éradique la gangrène. Si vous ne faites pas ça, il y aura pas. Facebook ne va pas devenir sain à un moment donné. À un moment donné, ils vont se trouver seuls. Seul. Oui, une 600 personnes au calme et sans clash. Je leur remets les pattes chacune à leur place. Il n'y a personne. Mon bon, tout le temps. Je vais souvent mettre le damier échec et mat. Non, oui. Oui. Le problème, c'est que ce qui s'est passé, c'est que quand la personne a écrit, tu vois, quand tu es en train de travailler, tu vois une notification qui arrive, tu sais que voilà une notification. Quand ta pause vient, bang, tu vas chercher, il n'y a plus. C'est ça le problème. J'ai pas eu le temps. C'est-à-dire que la personne a enlevé son commentaire. La personne n'a même pas fait que le commentaire. Ils hésitent. Ils veulent mettre. Après, elle va me bloquer. Peut-être c'est son seul faux profil. Il va le sacrifier. Oui. Mais ne venez pas mal avec moi. Ne venez pas très mal avec moi. Et je ne retourne pas dessus. Parce que la probabilité pour qu'il y ait une récidive est grande. Parce que les gens ont développé une façon d'être qui est inhumaine. Moi, je suis humaine. Et quand il y a une situation, je m'en tiens au fait. Je ne vais pas dans la démesure. Voilà, c'est ça la différence, parce que j'ai encore de la jugeote et de la tête sur les épaules. Nous, on sait où est passée la tête de mon pion. C'est dans l'entre-eux, hein, voilà. Boubapette, hein, voilà. Et un peu de mon pion, hein, voilà. Le camp d'en face dit que je suis enregistré comme handicapé. Je ne veux pas que vous me dites ce qu'ils disent, je peux te bloquer. Comme ils ont mon enregistrement, qu'ils postent. Qu'ils postent. D'accord? Ils ont parlé. La PDG des plantains a dit que je prends des antidépresseurs. Je vous expliquais l'épisode. C'est pour ça que rêve, quand je viens sur elle, elle peut venir un tour sans réfléchir. L'épisode des antidépresseurs, il faut que je vous explique ça très bien. Parce que moi, ma vie, c'est un long fleuve tranquille. Ce n'est pas un conte de fées. Et j'assume tout ce qui se passe dans ma vie. Vous comprenez? J'assume. Et j'ai déjà fait des directs ici. Elle me dit, mais tu as fait comment pour te retrouver avec les Waka? Patricia, je reviens sur ta question après. Tu mets ou pas? C'est pour cela que les teams sont dangereux. Ils n'ont pas de libre arbitre. Oui. Et les leaders des teams se trouvent dans la merde après. Parce que les teams revivent la situation sur eux. Moi, je ne veux pas des teams. Moi, j'ai plus mon longueur d'avant ça. Moi, j'ai dû faire avant. Voilà. Et j'ai dit, faites dissoudre les teams. Rien de venir. On est dissous par les teams. On est dissous par les teams. C'est jalouse. Le Maya n'est pas depuis là-bas. Dès que Tom m'a dit, mon pion retranscrit. Rêve retranscrit. Non, non, non. Vous êtes où avec? Oui. Vous êtes où avec? Voilà. Je bloque la personne qui est venue me dire que. Nanana, ouais, il y a quoi, hein, tu vas partir. Puis, machin, j'ai pas besoin de savoir. Vous savez, les gens qui m'aiment bien ne me disent pas ce qui se dit là-bas parce que je suis responsable de ce que j'entends et ce que je vois. Mais je vais souligner quelque chose sur l'antidépresseur parce que je suis un modèle, un témoignage vivant pour beaucoup de gens sur les réseaux. Parce que ce que j'ai essuyé comme humiliation et que personne, en tant que couple, en tant que n'importe quoi, ne s'est levé et dit que cette femme, l'humiliation qu'elle a, elle ne mérite pas ça. Non, 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 non. Donc voilà. Je vais vous expliquer.
Ok, je suis très calme. Hein. Si tu dis encore calme, toi, je te bloque. Tu ne peux pas être plus calme que ça. Voilà. Donc, alors, j'explique ma liste des antidépresseurs. Il faut qu'on en parle parce que j'ai déjà parlé de ça beaucoup de fois. Voilà que du coup, moi, je suis sur les réseaux, mes gens. J'ai mon chéri, je fais des événements, nuit de la viande et piments, les barbecues au parc où il y a presque 700 personnes. Je fais des trucs carton, nuit de la viande et piments, journée de la femme, toutes sortes de choses, soirée spéciale, mais je suis, j'en ai fait tellement de concepts. J'ai 15 ans dans l'événementiel ici à Montréal. C'était des soirées bénéfices pour aider les orphelins, les enfants de la rue. Je faisais des repas au pont de la gare, Yaoundé et tout et tout. Donc voilà. Oui, Patricia, je te viens avec le mélange, mon bébé. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre un peu ce qui s'est passé. Vous savez, on peut être au mauvais endroit au mauvais moment, mais c'est pas une raison de fuir parce que ce qu'ils ont voulu pour me lyncher, aller de la manière la plus nauséabonde qui soit, c'était pour que je fuis. Mais Dieu merci, je suis restée. Je fais des revenus à 4 chiffres à l'année sur Meta. À 5 chiffres, pardon, à l'année. Un gros revenu à 5 chiffres à l'année. J'ai failli même frôler les revenus par mois à 5 chiffres. Mais je suis encore à 4 chiffres chaque mois. C'est beaucoup. C'est de valeur. Si, avec tout ce que j'ai enduré, Zuckerberg me récompense de la sorte, je dis haut les mains. Merci Zuckerberg. Merci les abonnés. Merci les partages. Merci tout. Venons aux antidépresseurs, on va parler de ça parce que j'ai pas honte, hein. Vous savez, quelqu'un qui semble sain et un malade qui s'ignore. Vous voyez, moi j'avais une garderie chez moi, j'ai ma petite fille tranquille. Dans ma cour, ceux qui connaissent ma cour, si je vous montre maintenant ma cour, il n'y a plus rien. J'avais les balançoires glissades, trampolines, piscines, dont les enfants, tout était aménagé vraiment pour la garderie. Mais ma vie était tranquille, tout un feu tranquille. Il y a une petite sapate pembèche, la tante de rêve, rêve perdu, rêve qui rêve la vie de sa soeur et la starmania de sa soeur. Oh, et on m'a dit qu'on va pas parler, que vous allez faire quoi? Insulter. Je vais vous faire ça à fond. Vous allez jouer à vérité. Mana la tonganaise. Oui. Elle est entrée sur nous. Je vous jure, à l'époque, je vous dis, ça fait 8 ans ou 9 ans aujourd'hui. Je ne peux pas vous mentir, c'est la vérité. Elle m'insultait, elle faisait des posts, elle m'insultait pas seule. Tous nos amis, si on est ici à la maison, maintenant on dit que on fait un barbecue ou un 10-4, les amis arrivent là, comme c'est vendredi, on fait des photos, mais elle capture, elle va mettre, elle avait beaucoup de pages comme ça, elle insultait ma feu belle-mère, paix à son âme, la mettre sur Facebook, la traiter de tous les noms possibles, je te jure, ma belle-sœur, mon beau-frère, donc, parce qu'il y avait une femme. Il faut que je vous dise, celle qui dit que belle-sœur, là, qui a trouvé mari dans ma cuisine ici, cette femme allait lui donner des informations. Sous ce sûr, ce n'est pas le mensonge. Et ces informations, Mana utilisait pour me détruire. Ça s'est gâté dans la team de Aide-moi à détester qu'ils avaient à l'époque. Une Congolaise est quittée là-bas. Mana sait. La femme même sait. Est venue appeler mon mari et dit que voici ce qui se passe. Ils sont là-bas. Il y a une femme qui s'appelle un tel qui donne les infos. C'est votre belle-sœur ou co-épouse ou je ne sais pas quoi de Nathalie. C'est elle qui donnait les photos, les ceci de la belle. Je vous dis ça ici sur Facebook. Je mens. Je ne me lève pas le matin. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Moi, mes choses, hein, c'est Dieu qui tranche. D'abord, ma mère, quand je la vois dans mes rêves, elle balaye ma cour. C'est pour ça que tous les plans que vous lancez contre moi, ça glisse, ça ne m'arrive même pas. Cette dame-là a fait tout ça. Pendant presque un an et demi, tout le monde disait, son mari va la quitter, il faut qu'elle arrête, il faut qu'elle quitte derrière tout ça, son mari va la quitter, je vais quitter comment? J'ai aucun problème, il va me quitter comment? Donc, c'était comme en insultant ma belle-mère, mes belles-sœurs, mes beaux-frères, ils allaient faire un blocus et venir dire que ta femme allait sur Facebook pour qu'on nous insulte. Et à l'époque, qu'est-ce qu'on me disait? Je vais vous dire. C'est pour ça que je n'écoute plus personne. Je suis tellement intransigeante là-dessus. Je suis tellement radicale. Parce que partout dit qu'elle est radicale. Elle les a caressés quand ils sont venus sur elle là. Moi, je suis radicale de la plus grande radicalité que tu n'as pas idée. Si je décide qu'elle fait la politique, là où elle va me mettre, comment elle va faire, vous allez dire que merde, pour la merde, elle est où? Total. Je suis totalement radicale. On me dit, il ne faut pas répondre. Tu es une grande dame. Ils te dépassent. Tu les dépasses. Tu es mariée. Elles sont jalouses. Ça, c'est les mots des Camerounais. Écoutez, hein, c'est les mots des Camerounais. Tu les dépasses, tu es mariée, elles sont jalouses. Jusqu'à ce qu'aux 8 ans de ma petite louloute, cette même fille est partie prendre une photo de ma louloute, mettre Flore en train de manger, chanter sur un micro. J'ai encore la photo jusqu'à aujourd'hui. Et poster sur les réseaux et dit que je vais faire pire que Flore. Quand j'ai vu ça, je suis allée à mon commissariat ici et j'ai porté plainte avec la cybercriminalité et tout. J'ai mis le nom de Mana la Tonganaise parce que c'était elle qui avait fait tout ça. Et cette dame, le jour que Mana a mis, elle est venue chez moi. Elle a dit, tu n'es pas sur Facebook. Ok, c'est que je l'ai bloqué, on n'est pas amis sur Facebook. Ça veut dire qu'elle était dans la conspiration. Je vous dis, je ne mens pas, je mens. Je ne me lève pas le matin. Ça veut dire que moi, mes choses, hein, ah, on va seulement courir, maman. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que quand je vois la photo, et il poste sur mon mur le jour dernier, ma fille avait 8 ans. Elle aura 15 ans le 8. 8 avril. Elle avait 8 ans ce jour. Le jour de ses 8 ans. J'avais fait un brunch ici à la maison avec ses amis. Donc, il pose sur mon mur. Elle me regarde et voit mon attitude. Et ce jour qu'elle est entrée chez moi, c'est ce jour qu'elle sait. Parce que c'était elle, la mamie Congo, ça. Je n'avais pas pris parce que moi, je prenais des antidépresseurs. Pourquoi? Comment on me demandait de me taire?
Ça me faisait manger mes dents. Ça me faisait. Parce que je suis une personne, je dois m'exprimer en fait. Même si c'est au travail, même si c'est dans la famille, même si je dois. Quand quelque chose fait comme si ça trotte déjà et que je ne m'exprime pas, je ne vais même pas dormir la nuit. Or, quand je me couche, je dors. Moi, je suis comme ça. Donc, je grinçais mes dents, j'étais. On dit que non, on ne répond pas, et tu la dépasses. Et je faisais, elle insultait, oh, son mari, oh, les soirées. C'est elle qui avait commencé l'affaire de Fatou, qui est une Sénégalaise Fatou. Oh, elle est mariée, il est parti. Oh, elle a fait l'enfant. Elle racontait tel, il a acheté la télévision. Toute une histoire qui n'avait pas de nom ni de queue. Quand je viens me dire à mon mari, mais qu'est-ce que j'entends? Il dit que c'est des histoires. Donc, c'était trop mélangeant. Je ne répondais pas. Je vous jure, mes internautes. Pas Nathalie que vous voyez que maintenant ma soeur répond. Et je suis calme, sereine. Je ne répondais pas. Ah, mais je mangeais mes dents. Je ne peux pas vous mentir. Je suis allée voir le médecin. Je dis, médecin, j'en peux plus. Qu'est-ce qui se passe? Un matin, je me lève, parce que moi, j'avais une garderie chez moi. Je me lève le matin, là, je me sentais pas bien. Je vais à la clinique ici en haut. Et je dis, quand j'arrive à la clinique, c'est comment? Je dis que je suis plus capable. La phrase que j'ai dit à madame, c'est je suis plus capable. Imaginez-vous, vous venez à la clinique à 8 heures et c'est vous la première qu'on prend. Je vous dis mon histoire, hein, c'est pas le Congo ça. J'arrive, je dis que je suis plus capable. Elle m'a dit. J'ai dit, je suis plus capable. Elle a senti que parce que quelqu'un vient, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux dents, j'ai mal aux pieds, j'ai mal au ventre. C'est quand même quelque chose. Mais moi, je suis plus capable. Ça veut dire que ça allait au over. Je ne faisais pas la fièvre. Elle m'a passé avant tout le monde. C'était clinique. Là, tu arrivais à 7 h. Tu as parlé le médecin qui venait à 8 h 30. Mais moi, quand le médecin arrivait, j'étais parmi les premiers. Moi, ça m'a appelé, madame, l'infirmière va vous voir. Je suis parti voir le médecin. Il a regardé dans mon iris. Dans mon iris. Comme je savais même pas que c'est là-bas qu'on voit. Hein. Il regarde mon iris. Il dit que madame, vos papilles sont quoi, quoi, quoi. Vous faites une dépression. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? J'ai commencé seulement à pleurer. Je sais pas, je suis plus capable. Ils sont partout. Parce que qu'est-ce que Mana la Tonganaise sorcière, la tante sorcière du rêve? Je sais pas si rêve la ressemble pour tout ce que rêve en fait à Lolo. Je vois que c'est les patates du même sillon. Parce que rêve défendait Mana, rêve m'insultait aller-retour. Rêve montait sur le bon, le bien propre avant de régler ça plus tard. Je vous dis. Là, la madame me dit, qu'est-ce qui se passe? Le médecin, je commence à pleurer. Je sais que c'est quoi. Tu peux même pas dire ce qui se passe parce que tu es dépassé. Parce que quand Toto Tonga postait, elle faisait comment? Elle poste sur ses pages. Il y avait une page qui s'appelait Cora Cora pour ma fille. C'est encore là. Avec le nom, j'ai amené sa cybercriminalité. On a retracé, on a vu que c'était elle dans l'adresse IP de l'ordi. Quand Toto Tonga poste là-bas à la page qu'elle a, elle vient me taguer. Je bloque. Elle vient me taguer. Je bloque. Il y avait les Doumbi Doumbia, les Doumbi comme si, les comme ça. Montréal était en feu. Elle a dit, je veux vous mettre au pas. Elle habitait à Toronto. Elle venait à Montréal. Elle venait s'installer. Et elle a pris une fille qui s'appelait, excuse-moi, hein, Lily, je vais prononcer ton nom, Lily Wabo. Elle a fait amitié avec Lily Wabo. Si elle voit Mana, la voiture passe mieux, la voiture la pogne. Donc elle a mélangé tout. C'est une famille que. Il faut toujours se mettre à carreau quand tu les approches. C'est pour ça que j'étais averti, même quand j'étais avec. Il faut que vous sachiez déjà que je suis averti du genre que tu n'as même pas idée. C'est-à-dire que la récidive peut arriver et ça ne va pas me déranger. Merde. Le médecin me dit alors que qu'est-ce qui. Bon, ok madame, je vous mets en arrêt. Il m'a dit 2 semaines. J'ai fait 2 semaines, je prenais mes pilules. 2 semaines, je ne suis pas travaillé. Et à l'époque, j'avais ma garderie, comme je vous ai dit, j'ai fermé ma garderie. Fermé, fermé. Vidé parce que j'étais plus capable. Quand on dit plus capable, c'est-à-dire que quoi? Moi, je suis une femme hyper énergétique. Je suis une femme tellement pleine d'entre-gens, comme on dit au Québec. Tellement pleine de vivacité, tellement. Je suis proactive. Mais j'étais down. C'est pas le Congo, ça. M'étais relayé dans toutes les pages. Ça, c'est mon histoire. J'ai pas honte de ça. Alors, je prenais mes antidépresseurs. Ça faisait déjà quelques mois que je prenais, puisque quand la femme qui dit qu'elle coépouse poison, whatever, qui dit qu'elle va même témoigner, entre guillemets, c'est vrai, c'est pas vrai, j'en ai rien à foutre, mais elle connaît ma force de frappe, elle-même en tant que coépouse. Donc, c'est qu'elle dit, c'est ça. Voilà. Donc, quand elle est venue le jour là, qu'on a mis la photo de ma fille, je me souviens comme si c'était hier, elle était assise sur mon comptoir de cuisine, mon ancienne cuisine. Elle me regarde, elle me dit, tu n'es pas sur Facebook. Je dis que Facebook comment? Elle me dit, et puis je me pose, et puis je prends maintenant mon téléphone, il faut que j'ai des appels manqués. Je crois qu'on m'a cherché sur WhatsApp. J'ai une copine Christine à Paris. Elle m'a appelé fatiguée, elle dit que qu'est-ce que je viens de recevoir dans le forum? Elles ont un groupe, donc on a fait comme ça, on a mis dans les groupes de Paris, dans les pages, dans les ceci. Elle m'appelle, elle dit que je vois la photo de l'enfant sur des conneries. C'est quoi ça? Je dis que, je regarde, je bloque la page, mais je capture et je bloque la page. Après, je fais, ce soir-là, je dansais le challenge. Je connaissais pas encore Ngoyé. Vous n'étiez pas dans le décor, je vous explique. Je dansais le challenge. Ce soir-là, je danse le challenge avec ma petite Loulou de 8 ans. Pour lui, et je lançais les pics pour dire que je m'en fous, je sais si. J'essayais de trouver des moyens d'évacuer, en fait. C'était plein ici, mais je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas me connecter. Je dis, vous voyez ce qu'ils ont fait? Non. À l'époque, là, c'était, tu les dépasses, tu es mariée, tu es une grande dame. Et j'étais là que, ouais, je mangeais mes émotions. Maman, j'ai dansé ce soir-là. Après, je suis allée à la cybercriminalité. Mon grand frère qui est avocat au barreau à Ottawa, c'est pas un faux avocat, hein. Vrai avocat. Oui, sagesse et intelligence avec. Oui. Il est venu, il a dit qu'il faut porter plainte. Je suis allé à mon commissariat, si j'ai porté plainte. J'étais en larmes.
Le policier qui m'a reçu, ça dit que quand c'est comme ça, on remplit ta plainte, mais on met à côté que état du plaignant. On met quelque chose. Peut-être sur une note sur 10, peut-être j'avais même 15 sur 10 d'état down. Je pleurais, je me mouchais, je parlais, je pleurais. J'ai tout raconté sur Mana. Rêve, son vrai nom, son faux nom, les âges coupés, les âges mélangés. Tout, j'ai mis ça là-bas. C'est pas le Congo, ça, c'est la vérité. Parce qu'elle était juste là. On rentre au quartier. On ne sait pas encore que la couée que vous signalez est dans l'air. On rentre au quartier. On est là. À un moment donné, la police m'appelle. Parce que quand ta plainte prend 2 semaines, 3 semaines, on vous appelle. On dit que madame, on a reçu votre. Maintenant, on doit passer à l'étape de. Entre-temps, une autre personne congolaise a appelé, une autre dame aussi camerounaise, Bangante, qui était au lycée, et moi aussi a appelé. Expliquez mon mari que, fais gaffe. Voilà, 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 voilà. C'est elle qui est en arrière. Ils ont prévu telle chose. Ils se sont rencontrés à tel endroit. PDG des plantes était dans le coup. Parce qu'elle est mon macabo. Comme je faisais les soirées, ça réussissait. Était maillot, elle dit qu'elle est mariée. Donc le mari, là, même qu'elle est mariée, même fichait le camp. C'est des gens qui n'acceptent rien que les gens sont en train de vivre tous les jours. Ils ont un mal-être profond. Ils pensent que leur dévolu qui est noir, ils vont mettre ça sur tout le monde. Voilà l'histoire. Maintenant, la madame de la police appelle. Elle dit que je peux venir chez vous parce qu'ils avaient vraiment vu que j'étais dans un état. Imagine le policier qui se dépasse chez vous. Hein. Et mon mari dit que non. Comme il y a déjà le nom de celle-là qui est la femme du petit frère, fait que nous, on laisse. On va dire au policier de laisser faire et on va gérer ça à l'interne. Le policier est venu, s'il était assis sur moi. Je ne peux pas mentir. Quand la policière est venue, je dis que moi j'ai un problème, madame la policière. Elle dit c'est quoi? Je dis que quand je vais parler, ou je vais les. Moi j'ai envie de les répondre. Parce qu'elle répond, moi c'est ma thérapie. Je vous réponds, vous insulte, je vous mets là, et m'a dormi, pète, m'en fous. La policière dit que. Et qu'est-ce qui t'empêche? Je dis que tout le monde me dit que je suis une grande dame. Ça fait il y a 2 mois, 3 mois, 6 mois, 8 mois. Ça fait longtemps que ça dure, on ne peut pas répondre. La policière dit que quand vous voulez répondre, répondez. Mais ne faites pas de menaces de mort et voix de fer. Je dis ah bon? Elle dit oui. Je me tourne, je dis à mon mari, tu as entendu? Il dit oui. Bam. Le lendemain. Je mets la caméra. Le direct encore sur ma page, Nathalie Babali. J'ai juste mis que c'est moi celle qui voit. Vous comprenez, non? Mais le direct, là, je la prouve jusqu'à dans la tombe. C'est-à-dire que le Jacques, je suis monté sur Toto, je suis monté sur la couette. Je les ai mis eux deux, je les ai lavés, séchés, rincés le jour, là, propre en direct. Je vous dis ce que j'ai fait. Je ne parle pas des choses derrière. C'est là que j'ai dit, yeah, je me suis senti tellement soulagé. J'ai dit, yeah, donc ça fait du bien, non? Une docteur, voilà. Je les ai fait ça comme il faut. J'ai dit tout ce qui est. Mais dans les faits, ça y est, mais. Tous les faits. Vous avez fait comme ça, vous avez fait comme ça. Je me sentais bien quand je parlais. Alors, j'ai décidé d'aller voir mon médecin. Donc, je prenais le vin là facile. Pour ceux qui sont infirmières ici à Montréal, je ne sais pas le nom de ça là-bas, c'est le vin là facile. Un. Sabbatique, je dis bien 2 années sabbatiques sans travail. C'est pas le Congo, ça je vous explique. Prenez, vous mettez dans toutes les pages. Je suis un témoignage vivant. Je suis l'harcèlement depuis, parce qu'on pleure ma vie et ma stabilité. Je peux rien faire pour ces personnes. Là, je me lève, je vais voir mon médecin. Mon médecin de famille, en passant, c'est la meilleure amie de ma Patouchou. C'est pas le Congo, ça c'est la vérité. Meilleure amie d'enfance, c'est les enfants Sonara. Oui, mon médecin de famille, c'est la meilleure amie d'enfance de Patouchou. Je vais la voir et dire, docteur. Je veux me sevrer. Elle fait un. Parce que j'ai fait comme 2 ans. Sabbatique, je prenais mes puits là. C'est là que j'ai même lancé les repas d'orphelin en Afrique. C'est là que, donc même la soirée, j'ai fait peut-être une après. Je commençais à, donc j'ai abandonné tout là. Mm-hmm. C'était comme ça. Je n'ai pas travaillé. J'étais en arrêt. En arrêt. Parce qu'il fallait que je retrouve le Nathalie que j'étais. Parce que vous savez, ça peut tellement t'abîmer ta santé psychologique, ces conneries là. Au point où tu te regardes, tu ne peux plus avoir le rendement, que tu te lèves, tu n'es plus capable, tu vois que tu n'es plus capable. Quand, ici au Québec, quand on dit tu n'es plus capable, c'est plus la blague là. C'est vrai, tu n'es plus capable. Là, j'ai dit au docteur, elle m'a sevré. Le sevrage, c'est fait qu'on diminue. Peut-être 0,75, on descend. C'était 0,35, peut-être on fait un point, je sais pas, on baisse. Et puis après, tu ne prends plus et tu fonctionnes par toi-même. Oui, ça fait quoi? Je vous ai parlé, c'était il y a 8 ou 9 ans, non? 8 ans, longtemps. Ma fille avait 8 ans. Ma fille aura 15 ans, donc ça fait 7 ans. Ma fille avait, le jour de ses 8 ans, j'étais toujours dans les pilules. Et c'est ce jour que cette femme entre, s'assoit, elle me voit prendre une bouteille. Ma boîte de pilules était au haut du frigidaire dans ma cuisine. Je prends la bouteille depuis, je dis, je sens comment ma tête fait, genre, je prends, parce que quand tu prends pas ta pilule, tu as l'impression que ta tête fait ouan ouan, comme si ça encaisse siffler. Je dis, je prends ma pilule pour boire, elle dit, c'est quoi? Je dis, c'est les antidépresseurs. Elle avait seulement fini avec moi. Je sais pas ce qu'elle me veut. Je lui ai dit ça comme ça. Elle a couru, elle est partie, elle dit le lendemain sur le mur, c'était écrit que tu prends les antidépresseurs. Et qu'est-ce que la dame a trouvé à me dire? Elle m'appelle, elle me dit, fais attention à Patricia et Ankoul à qui tu te confies. C'est sûr que c'est elle qui lui disent les choses. Parce qu'il y a des choses, oh, elle oubliait que c'est à elle seule que j'ai dit. Même Patricia et Ankoul ne savaient même pas. Vous comprenez? C'était pas un secret.
secret. Parce que ça n'a pas donné conseil. Moi, je suis un livre ouvert. Moi, il m'a honte. Si on me dit que je suis séropositif, tu vas prendre mes antidépresseurs, mes tubes des antidépresseurs, ce que je vais prendre mes antidépresseurs, ça a donné que c'est comme ça. Moi, ma vie, je l'assume, en fait. Je ne suis pas comme quelqu'un qui va vivre une vie qui n'est pas la sienne, en fait. Et là, j'ai plié mon doigt sur elle. Je savais que c'est elle. Et puis, j'ai plus pris. Quand je vous dis sincèrement, je n'ai plus jamais pris. Et je me suis reprise en main. Je suis retournée à l'université à 50 ans. J'ai changé de carrière. Je suis partie postuler. J'ai partie travailler. Donc, je refais autre chose. Et maintenant aussi, les affaires de part et d'autre. Oui, je me suis reprise en main. Oui. Et depuis ce jour, je ne recule devant rien pour répondre au cancre. Avec des bons mots qui vont avec. Et ça me fait plaisir quand je réponds. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas peur de ma vie. J'aime ce que je suis et ce que je vis. Vous comprenez quoi? Attendez, je vais chercher le chargeur, mon téléphone signal. Est-ce que j'ai honte? Juste parce que la paix, j'ai parti, elle dit, on sait que tu prends les antidépresseurs. Prends les antidépresseurs, ce n'est pas une fatalité en soi. S'il vous plaît. Et si je n'avais même pas pris, ça te donne une sensation de well-being, c'est-à-dire c'est pour contrôler tes émotions et pour éviter la crise. Pire, parce que n'oublie pas, quand tu commences avec l'antidépresseur, si tu négliges des crises d'anxiété, la dépression mineure, majeure et tout, ça va venir avec la folie hein, à un moment donné. Donc, il faut prendre en main ton traitement. Il ne faut même pas blaguer. Et il faut trouver des pistes de solutions. Et c'est là que le médecin m'a donné des pistes de solutions. Premièrement, il fallait les bloquer. Je bloquais tous ces gens. Et c'est pour ça que je continue à bloquer. Premièrement, il fallait les bloquer. Je bloquais tous ces gens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu es responsable de ce que tu entends et ce que tu vois. Donc, moins tu entends, mieux c'est. Donc, ça veut dire que ça finit là-bas où vous avez mis. Les bribes viennent me voir, mais je n'en fais rien parce que ça ne change rien. Vous comprenez quoi? Donc, tout ça, ça fait partie de ce que j'ai vécu. C'est mon histoire. Et tout ça à cause de la tente de rêve. Donc, rêve se relève sur moi. Ça ne peut rien enlever de que c'est la nièce de cette sorcière de Toto qui, en ce moment, avait plein de choses à gérer, qui ont un gros fardeau sur elle. On a eu le fait qu'elle est dans la merde en ce moment, pas à peu près. C'est pas de ma faute, c'est la somme des bêtises qu'elle a cherchées. Moi, ça ne me regarde pas. Parce que ma plainte, j'avais mis en stand-by. Vous comprenez, non? Donc, que quelqu'un ne vient pas, viens pas les antidépresseurs, tu es folle, tu es en comme fois. On voit mes agissements, ce n'est pas les agissements d'une folle. On sait c'est qui les folles. On voit comment les gens dégénèrent jusqu'à ce qu'ils perdent le nord et tout. Moi, je suis bien. Mes idées sont alignées, le genre qui est merde. Les gens sont seulement dépassés. Parler de quoi? Attends, je bloque déjà cette personne qui vient écrire des bêtises. Imbécile. Il a bloqué. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Non, je ne suis pas du tout une copion. Je suis balance, justement. Je suis balance. Je suis née le 13 octobre. C'est pour ça. Vous ne pouvez pas comprendre. Oui, parler est une thérapie. C'est pour ça que quand mon médecin, quand le policier m'avait dit ça, j'ai commencé à parler. C'est fini. Je parle jusqu'à... Je vais la ravager le pivot. Franchement. Oui, c'est inspirant mon témoignage, c'est la vérité, hein, c'est l'histoire de ma vie. Celle qui est venue écrire là, c'est une personne des faux profils qui vient écrire des histoires. Ce que je dis, c'est la vérité, j'approuve ça à 1000%. Et c'est ce qui s'est passé. Et depuis le jour que j'ai commencé, vous avez vu que quand les problèmes ont commencé avec Flore, les gens ont eu peur. Ils ont dit que ouais, ça va te fragiliser, la toile. J'ai dit que laisse-moi aller. J'ai géré ça, mais avec 6 ans. Chaque temps que je suis sur elle, ça ne chauffe pas. Oui. C'est comme ça. Donc, même si n'importe quoi arrive, sachez qu'en face de vous, vous avez la femme solide que je suis. Je ne peux plus donner l'occasion à qui que ce soit dans ma vie de venir abîmer ma santé psychologique. Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut plus jamais arriver. Donc, soyez maître de vos vies. Vos oui soient des oui, vos non soient des non. Vos choix et vos positions, vous les assumez, quel que soit lambda. Même si on va amener ça où vous dites que c'est pour moi, là-bas, voilà mon bout. Et vous tenez votre bout. Ne suivez pas des mauvais, ne soyez pas comme des mauviettes qu'on vous amène en bateau. Franchement. Donc, c'est-à-dire que je ne recule devant rien pour la vérité. Il faut dire la vérité. Et les gens parlent par les entités comme si c'est une... Vous savez, c'est-à-dire que quelqu'un se réjouit. Flore a dit d'ailleurs, j'ai envoyé au moins 10 personnes en dépression. Ce n'est pas un palmarès, ma chérie. C'est très dangereux ce que tu as fait. Merci pour les étoiles à distance, Sim. Ce n'est pas un palmarès, Flore, d'envoyer des gens en dépression, ma chérie. Tu ne peux pas t'en vanter. Ça veut dire que tu as abîmé la vie des gens. Moi, il fallait m'éradiquer sur Meta. J'ai suivi que la bande qui sont encore levées maintenant, même les mongues et tout ça. Guylaine qui est partie faire la liposuction à 5 ans. 5 ans, elle ne s'aime pas, elle ne s'assume pas là. Qu'ils vont m'envoyer me faire quitter Facebook. Vous n'êtes pas né. Vous n'êtes pas né. Je suis ici pour demeurer. Vous comprenez quoi? Je ne bouge pas d'ici. Vous parlez de quoi? Donc, c'est pour ça que mes enfants, mes deux filles, je les éduque à ce que ne vous laissez pas abattre par qui que ce soit dans cette vie. Ne reculez devant rien pour leur juste et la vérité. Devant rien. S'il vous reste même une dent, parlez jusqu'à ce que la salive finisse dans votre bouche.
C'est très important. Un jour, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers. Aujourd'hui, qui est assise dans la stabilité depuis que tout a commencé? Toto Tongamana est dans les problèmes, problèmes de chez problèmes. Je préfère ne pas ouvrir les détails, parce que c'est très merdique. Flore cavale sans issue. Elle est sortie dans trois maisons, quatre maisons, on ne sait même pas. Elle cherche Marie, elle dit qu'à 50 ans, ça va faire quoi, je ne sais. J'espère que ça va tenir. Guylaine, parce que je vous dis, moi j'adresse Guylaine parce que Guylaine m'adresse depuis. Et comme Marthe est sur Guylaine, moi j'adresse Guylaine propre. Donc Guylaine peut sortir sur moi, ça ne me dérange pas. Guylaine n'était pas ma copine. Des échanges que j'ai eu avec Guylaine, vous avez vu, ça s'est arrêté sur mon problème à l'aéroport. Parce que Guylaine fait partie des gens qui ont cru que je vais faire la prison à l'aéroport. Il y avait Guylaine, il y avait Marthe Chopin, il y avait même Flore. Flore même chantait que reste faire la prison. Vous comprenez? Donc Guylaine, elle essaie aussi de. Tu sais, chacun va exister hein, sur les réseaux. C'est tout. Et comme il y a maintenant une espèce de folie, ils sont pleins sur moi, ils veulent aussi faire qu'il y a beaucoup de chansons. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Hey, parler, c'est une thérapie. Je parle jusqu'à. J'ai dit que hein, quand je vais me malade, je vous ai dit que j'ai vu mon chéri, non? J'ai dit qu'elle m'avait fait le congo. Attendez, hein, je vais chercher mon chargeur. J'ai dit qu'elle m'avait fait le congo. Ils savent que je suis là sur le congo. Attendez, je cherche mon chargeur. Complètement oublié. Excusez-moi, prenez le chargeur. J'ai pas fini. Attendez, hein, j'ai mon. Comment on appelle ça? J'ai mon chargeur à main ici, là. Attendez. Il faut que je charge pendant qu'elle passe. Il a fini. Il y a encore la batterie, non? Oui. Il y a encore la batterie. J'ai des barres. Oui, j'ai des barres. Ok, on continue. Donc, il te faut le trépied. Oui, j'ai laissé ça là-bas dedans. Ça va dedans. Attends, je vais donner à mon chéri de me donner. Je vois qu'il est passé. J'ai refait le fort petit trépied là. Petit. Merci mon père. Pourquoi il y a un bruit de mon ami? Oui, mon ami a la fin. Merci. Aïe, 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 la paix. Merci mon père. Bon. Attendez, je mets sur le trépied pour bien croiser mes pieds et parler. Maman, ouais, le Congo, c'est bon. Oui, parler, c'est une thérapie, c'est très important. Donc, ne vous laissez pas abattre. C'est pour ça que j'ai aussi dit aux gens des teams, quand je dis des teams, les Lolomania particulièrement, parce que c'est cette team qui a été ébruitée ces derniers temps, pas mal par une Wolos en voie de perdition. Voilà. Exprimez-vous, c'est très important. Ne portez pas les gants, ne vous cachez pas dans ce qui vous concerne. Et si c'est le temps de demander pardon, j'ai ma fille blonde Alice, elle a demandé pardon à tout le monde, même à Flore. Tout le monde. Parce que par support pour mes sangs, elle insultait beaucoup de gens, elle a demandé pardon. Assumez, allez au-devant de vos actions. Faites ce que vous avez à faire pour vous-même, pour votre honneur, pour votre intégrité, pour votre bien-être personnel, pour votre épanouissement. C'est important. Vous comprenez? Donc, moi, je suis la preuve vivante. Moi, je ne pouvais pas imaginer que, c'est-à-dire que, je pensais que me taire était la solution, mais jusqu'à ce que j'ai commencé à parler. Hein? Donc, moi, je viens en paix parce que je n'aime pas quand on salit les gens. La vérité ne vient que du concerné. Est-ce que c'est vrai que Pabio est go? Je viens de prendre le trépied à Pabio. Vous voulez que je le filme et je le mets ici? Vous ne savez pas qu'en répondre aux prostituées veut dire que je suis aussi une prostituée. On ne descend pas dans les désirs et les décisions des filles de bas étage, ma chérie. Pabio est là. Je viens de lui demander le trépied. Donc, vous pensez que c'est un autre gars que j'ai mis dans la maison et lui demande les choses? Que chérie, donne-moi telle chose. J'ai peur. Quand je suis entrée, c'est ce que le début de la vidéo, vous entendez quand j'entre, quelqu'un vient me prendre le sac, c'est mon chéri. Vous pensez que je vais prendre mon mari, je le mets sur Facebook pour répondre aux prostituées? Mais vous êtes sérieux? Ne faites jamais ça. Je suis la preuve vivante qu'on ne suit pas à la lettre ce que les prostituées recommandent sur Meta. Elles sont qui pour gouverner Facebook? Quand les vrais gens comme nous, nous sommes là, les femmes, c'est-à-dire qu'au-dessus des femmes, hein? Vous allez prendre les dits d'une prostituée et répondre à la lettre, va dire qu'il n'est pas là. Dis-le, voici, il est comme ça. Donc, il devient marionnette. Mon chéri, regardez-moi ça. Vous comprenez? Donc, il n'a jamais bougé. Elles vont faire, ça c'est le mode opératoire de Toto Tonga. J'ai dit ça, a commencé avec Tonga. La Fatou sénégalaise avait les enfants. Elle est devenue malienne, togolaise, béninoise. Tout, tout. Elle a les jumeaux, les doubles, les triplés.
Ça a commencé depuis. Donc, Flore n'a fait que récidiver. Et aujourd'hui, les autres continuent seulement la même chose. Et c'est déjà un classique. Dans mes veines, ça coule. Ce n'est plus rien. Vous comprenez, non? J'ai ma fille Patricia qui m'a demandé tout à l'heure. C'est ma fille. Comment je fais pour me trouver au milieu des prostituées? Je vous dis une chose. Je suis une promotrice événementielle. Et dans mes événements, j'ai choisi d'inviter des gens ailleurs. Et j'aimais plus les gens du net. J'ai invité Flore, j'ai invité Marie Larose, j'ai invité Doudou Ngamba. Donc, les gens comme ça, j'aimais plus les gens du blog. Vous voyez? Et c'était plus ça qui m'intéressait en fait. Mais malheureusement, comme quand on peut inviter un artiste qui chante, j'ai invité la peste. Gloria, oui, ça c'est ma chérie Glory. S'il est parti, ça fait quoi? Une mentalité typiquement africaine. Peut-être pense que s'il part, ça sera ma fin de la vie. Ah bah, est-ce qu'on a coupé les nombres? On a fait le pacte de sang. Franchement. Non, ils disent que j'ai supplié. Quand on a invité, j'ai supplié. Ça me dit, j'étais à l'événement, il n'était pas. C'est des événements de soirée et puis il ne veut plus. Ça n'intéresse plus. Voilà. Donc moi, je ne suis pas leur camarade. Moi, je suis une femme terriblement mariée, assise dans mon foyer. Donc je ne peux pas répondre à toutes les doséances des prostichiennes. Vous comprenez, non? Ma fille Patricia, j'invitais comme ça. Et on m'avait dit, on m'avait prévenu de faire attention à Flore parce qu'elle gâte tout sur son passage. J'ai dit qu'elle va me gâter, que moi, je suis qui avec elle. Moi, je pensais que si je ne suis pas dans ton milieu, je ne fais pas les choses que tu fais. Je suis à distance, je gère ce que tu viens, quand j'ai la preuve. Quand elle est venue, si j'ai un appartement chez moi, mais je l'ai pris à l'hôtel. Je l'ai prise à l'hôtel. J'ai fait vraiment tout professionnel. J'ai préféré payer extra pour faire tout ce qu'il faut faire professionnel. Donc, j'aurais pu dire, viens à la maison, ça ne me coûtait rien. Mais non, j'ai fait ça professionnel, mais j'ai essuyé la plus grosse humiliation que les personnes Facebook n'aient vécue. Sans motif fondé, elle embarque sur moi comme elle embarque sur tout le monde. Et la série sur le gâteau, c'est son père perdu et retrouvé. Donc, vous avez vu comment il nous a embrouillé dans une embrouillamini de l'histoire qui est en train de finir en queue de poisson maintenant. Donc, ceci étant, c'est comme ça que je me trouve là. Maintenant, les gens disent que oui, tu pars toujours en France. Si la France me sollicite, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si vous voulez dire ça, ça veut dire que, oh, ceux qui viennent tout le temps en Amérique, si l'Amérique les sollicite, ils font comment? Ils refusent de venir? C'est les questions qu'il faut se poser. Ça, c'est la première question. La deuxième question, je suis d'abord une ancienne Parisienne avant de venir à Montréal. Donc, je connais Paris et je connais les gens à Paris. D'accord? Et j'aime Paris. Et tout ce qu'ils ont mis comme messe basse, s'ils avaient, un temps soit peu, quelque chose pour me clouer, ça devait déjà être utilisé. Puisqu'ils n'ont rien eu, mais ils ont fabriqué. Donc, ces genres de personnes, même si la terre se mélange, tu vas les prendre toujours à distance. Parce que la récidive est très grande. Alors, les gens de Montréal disent souvent, surtout la PDG des Plantains, qui demande, elle téléphone même aux gens. Ouais, invite-moi, elle demande aux gens de l'inviter. Sous ce sûr. Elle demande, elle écrit message que, ouais, invite-moi même, non. Elle veut qu'on l'invite aussi, peut-être prendre un avion et pas. C'est facile? C'est pas facile. N'oubliez pas que les gens qui nous invitent prennent des pots de bananes. Ils prennent des pots de bananes parce qu'ils nous ont invités. Je salue ici Jeanne Marceline. Parce que quand tu invites, on dit, tu invites celle-là, pourquoi? On t'insulte. On salit ton événement. Je salue ici Patoumel. Je salue toutes les personnes qui m'ont invité. Vous comprenez? Donc maintenant, c'est devenu qu'ils veulent dire que qu'est-ce que tu fais? Tu es au Canada et tu gères. Je gère Paris parce que le Facebook Bracata, je me suis trouvé dedans par choix dans l'exercice de mes fonctions. Hein? Je dis bien, dans l'exercice de mes fonctions. Elle ne m'a jamais donné la visibilité, Flore Magina Quincam. J'ai bloqué 55 000 abeilles. Si Flore m'avait donné la visibilité, ce que je suis en haut, quand je me connais, j'ai bloqué 55 000 personnes, parmi lesquelles beaucoup d'abeilles. Flore ne m'a pas, j'ai produit, je suis la productrice de Flore et j'ai licencié Flore. Depuis qu'elle est licenciée, personne ne l'a pu amener comme moi je l'ai amené. PDG de Plantain l'a amené, il y avait 20 personnes. On ne fait pas un dessin, c'est la vérité. Prenez ce que vous voulez dedans, mais c'est de la vérité. Donc ma fille Patricia, quand tu dis que tu fais comment pour être là, dans l'exercice de mes fonctions, j'ai invité une prostituée, il y a une vidéo sur YouTube qui me met à côté de Flore. D'accord? Et comme elle gâte tout sur son passage, comme elle a gâté son ex-père perdu et retrouvé, elle a décidé d'en découdre avec moi. C'est ça l'histoire. Et vous voulez qu'on fasse, qu'on va faire un dessin pour vous expliquer ça? C'est la vérité. Et moi, je vais faire quoi? Je vais effacer ma vie, je vais m'enlever la vie parce que, hey, je suis qui? Je suis une prostituée de bas étage qui est instable. Arrêtez ça. Arrêtez ça, je m'assois, je vous réponds gentiment et poliment et rien ne change dans ma vie. Un peu continuer à faire ce que j'ai à faire. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, je suis l'exception qui confirme la règle. Vous comprenez quoi? Donc ma fille Patricia, je ne sais pas si tu es encore là, j'ai répondu à ta question. Je me suis trouvé là-bas dans l'exercice de mes fonctions. Et je ne regrette rien de tout ce qui s'est passé. Parce que ça m'a donné maintenant de la graine, de la gnaque. Peut-être si je n'avais pas eu tout ça, et les tototonga, et tout ça, les rêves des injures d'avant et qui vont peut-être arriver bientôt, j'en ai rien à foutre. Ce que peut-être au jour d'aujourd'hui, je n'allais pas être aussi solide. Je n'allais pas avoir toute cette niaque. Je n'allais pas être capable de m'asseoir et prendre mon bâton de commandement et diriger ma vie. J'allais peut-être laisser ma vie entre les mains des gens qui vous devaient la piloter comme ils pensent. Faites très attention. Soyez des gens de parole. Que vos oui soient de oui et vos non soient de non. Ne portez pas les gants. L'hypocrisie de la France. Beaucoup de gens en France jouent l'hypocrisie parce que les Français ont l'hypocrisie dans leur gène. Moi, je ne suis pas hypocrite, moi. Je suis un livre ouvert. C'est pour ça que je tape sec. Et elle ne m'aime pas pour ça. J'ai pas besoin de leur amour. Je cherche pas les copines, moi.
J'ai pas besoin. Donc, ne me gérez pas. Je ne vous gère pas. Je vous bloque même. Voilà. Je règle ça comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mayanouchou, je t'appelle, hein. Je t'appelle Mayanou. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Franchement, c'est sérieux là. Elle prend les antilles, la PDG les plantes. Une que dans les baignoires ou pas, tout bon nous. Nos réunions, sa femme tchache, bordé, bordé. Tous les gens, la réunion, même de son mari, la fini à elle. Elle me parlait. Vous n'avez encore rien vu. Oh, je vous fais ça sans vaseline. Lent, autant que vous êtes. C'est comme ça. Et c'est une autre question. Je demande encore quelques minutes pour la question. Ça fait quand même, je suis entrée ici depuis là. Et au Congo, ça, depuis, c'est bon comme ça. Est-ce qu'il y a encore des questions? On a encore quelques minutes, appelle pas à moi. Le dégel a commencé, maman. Tu restes dehors, tu es à l'aise. Bientôt les bourgeons, des fleurs, les arbres, les ceci, les cela, c'est chaud. Est-ce qu'il y a des questions? Vous posez des questions, hein? Est-ce qu'il y a des questions ici, là? L'autre rit seulement. Bon, je vais vous laisser. C'est la maman. Donc, affaire d'antidépresseur, là, je vous ai donné l'explication. C'était bien pris sur 2 ans et sevré, parce qu'on sevre à la fin. Et si tu répètes, voilà ce qui se passe. Si, mettons, après quelques temps, quelque chose vient t'affecter, c'est ça les antidépresseurs, tu reprends encore à l'ordonnance, ça veut dire que tu vas être dépendant. Moi, j'ai des collègues qui prennent ça tout le temps. Parce que ce qu'ils ont vécu, ils n'ont pas été capables. Parce que tout être humain, voilà, c'est ce que le médecin m'a dit, tout être humain est sujet à faire la dépression. Tout dépend de la capacité que tu as de passer au travers de tes situations que tu vis. Moi, j'ai des gens qui m'appellent et qui dépriment pour le lynchage qu'ils ont mis actif sur moi, partout sur les réseaux. Et je leur dis que je me porte bien et ça les rassure. Je dis que hein, je t'ai produit comme si moi, je suis la productrice, c'est-à-dire que moi, j'ai payé le billet d'avion, l'hôtel, tout de flore. Donc, fabrication qu'elle dit là, je ne vois pas parce que j'ai bloqué. Je vous dis que je vais sur Congo Sabah, je vois un poste qui me concerne. Il y a 200 commentaires, je ne lis que 4. Vous pouvez voir comment je me suis mis. C'est mes médecins qui m'ont donné la façon de fonctionner pour barrer et contrecarrer toutes ces personnes dotées d'un esprit machiavélique à outrance. Je ne suis pas ce qu'elles font. Vous ne voyez pas que je suis à l'abri de beaucoup de choses? Je ne les suis pas. Je ne les suis pas, ça c'est clair. Je suis à l'abri de beaucoup de choses. Donc voilà, c'est un peu ça. Parce que tu es responsable de ce que tu entends et ce que tu vois. Je suis responsable de ce que je vous dis, mais je ne suis pas responsable de la perception que vous avez de mes sorties. Parce que voilà, avec l'école, les gens qui ont les cerveaux un peu bouchés par endroits, je peux rien faire. Vous comprenez? Je peux rien faire. On les reste là. Activez-vous autant que vous êtes. Je vous envoie les élans dans toutes vos activations, toutes les stations que je vous avais. Je vous envoie ça propre, en fou royalement. Tant que ça ne touche pas mon épanouissement personnel et celle de ma famille, vous n'avez, je m'en fous de vous. Vous comprenez, non? Coucou ma reine, oh, depuis je dis que je dois venir là-bas, je ne trouve pas le temps. Depuis que je t'ai vu ici à Québec City, tellement belle âme et très classe, je dois travailler. Je dois travailler avec toi sur mon projet. Il n'y a pas de souci, je t'attends. C'est vraiment parce que j'ai une grande soeur qui traverse cela. Oui, ça ne rigole pas, hein, la dépression. Ça tue. C'est une maladie mortelle même. Ça ne blague pas. Et en Afrique, vous savez, nous avons la manie de nous moquer. Vous allez voir une maman. Je vais vous donner 2 mises en situation. Quand je fais des accompagnements des personnes qui sont mal-être, pour exemple, dans Meet and Love, on a beaucoup de femmes qui dépriment. Tellement elles veulent un homme dans sa vie, elles ne trouvent pas qu'elles rentrent dans une dépression et elles s'emprisonnent là-dedans. Et c'est grave. Elle fout le bordel partout comme Flore. Quand Flore insulte les gens, c'est parce qu'il y a un vide qu'elle veut combler, elle n'arrive pas. Elle veut prouver aux gens qu'elle n'est pas lesbienne. Elle veut, il y a beaucoup de choses. Et elle profite, elle commence à détruire tout sur son passage. Et elle s'estime heureuse et fière. J'ai poussé 10 personnes à la dépression. Waouh. Waouh. Vous me faites rigoler. C'est facile. Je prends un cas simple en Afrique. Vous allez voir les femmes. Une femme est là, elle a sa petite vie tranquille, elle a son mari. Peut-être elle va au marché, ou elle travaille, mais elle a un équilibre mental et psychique bien fait. Et son mari décède. Ça se passe comme ça chez nous. Vous savez déjà que la belle famille, si tu as une maison, ton mari a construit, il décède. Parfois la belle famille vient s'accaparer la maison. On te met dehors, on prend le trousseau des clés. Il y a des femmes qui vivent tellement de choses au décès de leur mari. C'est toi qui l'as tué. Parce que les gens ne meurent pas en Afrique, on tue toujours. Voilà.
Et du coup, la fille se met dehors, elle se trouve dehors. Elle ne sait même pas qu'il faut qu'elle consulte. Sa famille aussi, peut-être, n'a même pas l'écoute et le regard pour dire que, ouais, elle est un peu down. Ah, mais non, elle n'est pas à l'hôpital et tout. Elle commence à marcher, elle parle seule en route. Et depuis que son mari et moi, elle parle seule. C'est qui? On dit, la femme là qu'on a dit que c'est elle qui a tué son mari. Les gens relaient l'information, ça, elle est déjà finie là. Et qu'est-ce qu'on s'est dit? Je ne l'ai pas tué. J'étais pourtant à l'hôpital dans son cœur. Elle est là, elle est en train de finir. Un beau matin, on dit que, 2 ans, elle est morte. Elle n'a pas supporté le départ de son mari. Vous allez vous comporter comment? Vous avez précipité cette femme dans la tombe. Parce qu'il faut avoir un moral et un mental. Le mental est fondamental. Il faut avoir un mental d'acier pour être au-dessus de toute cette mêlée qui se met à... Par exemple, quand la PDG des plantes s'assoit pour parler, comme sont les copines. Elle dit que j'ai les mêmes chaises. J'ai acheté ma chaise, mes chaises il y a 12 ans. Je jette mes chaises au comment quand elles sont encore bien. Si je n'ai pas le chien, le chat, les enfants mal élevés qui montent sur toutes les chaises et font tout n'importe comment, ma chaise est toujours bien. Je vais changer par rapport à quoi? Pour les yeux de Facebook. Et il a, autant que vous êtes fou, non, depuis ta coopérative d'habitation. Vous comprenez? Donc, moi, je dis que la dépression, c'est une maladie qui tue. Et en Afrique, on ne reconnaît pas la dépression. En Afrique, c'est un sujet de moquerie. Tu déprimes, on dit que tu es folle. Pourtant, si tu es bien suivi dans ta première dépression, il risque de ne plus avoir de récidive. Si tu mets les éléments qu'il faut, tu mets tout ce qui est en ton pouvoir pour te sortir de là, tu peux redémarrer des plus belles et ça n'arrive plus. Parce que tout être humain est sujet à dépression, mais tout dépend de la capacité que nous avons de passer au travers des situations que nous vivons. Une situation bête peut arriver. Bête, même qu'au niveau de... Voilà, quelqu'un qui a les problèmes de facture ne peut pas payer ses factures et puis les banques commencent à appeler partout, paf, il craque, il déprime. On a le syndic qui est là. Le syndic t'aide à faire les consolidations de dettes ou à faire faillite pour t'alléger la tâche et te faire reprendre ta vie en main et redémarrer les choses. Mais si le syndic n'existait pas, tu vas coincer tes dents, t'apitoyer sur ton sort, rentrer dans la déprime et mourir. Mourir, de te manger tes émotions jusqu'à en mourir. C'est ça. Donc, apprenons à dire ce qui est dans les mots, dans les règles de l'art. Et apprenons, comme j'ai parlé aux gens des teams, moi j'ai déjà dit de dissoudre les teams, ils ne veulent pas. Parce qu'il y a peut-être un gain en arrière de tout ça. Je respecte les gains que les différents leaders ont. Mais les personnes dans les teams qui ne sont pas d'accord des virements, des situations, de certaines choses, asseyez-vous depuis votre profil de la team et exprimez-vous du plus profond de votre cœur comment vous vous sentez. Peut-être que ça va aider ces destructeurs de se raviser. Parce que sinon, pour eux, c'est comme s'ils n'ont rien fait. Et vous êtes déjà parti. Vous partez, vous ne dites rien. C'est comme il n'y a aucune action qui a été faite. Il faut que ça soit action, réaction. Mettez des mots, M-O-T-S, pour éviter des mots, M-A-U-X. Je dis ça tout le temps. C'est très important. Parce que plein de personnes sont en train de mourir en eux, de s'éteindre à petit feu à cause des agissements des gens comme ça. Fais très attention. Et si tu n'as pas une bonne famille, si tu n'as pas des bons amis, ok? À l'époque, on appelait la dépression la mélancolique et ça avait fini beaucoup de personnes. Oui. La mélancolie, l'anxiété, les crises d'anxiété, ça donne même parfois les crampes à l'estomac. Tu t'oublies, tu ne sais pas que tu dois manger, tu dois boire, tu dois te laver, tu dois... Il y a des gens qui, depuis même le téléphone, ils ferment, ils ne parlent avec personne. Parce que tout ce qui arrive est comme si c'est des flèches. C'est dangereux. Il faut écouter la personne. Il faut comprendre le problème dans son sens à lui. Nous, au Cameroun, c'est Aka, va là-bas. Un petit truc comme ça, toi aussi, Aka. Tu déprimes quoi? Aka, va là-bas. Aka, c'est rien, Aka. Toi aussi, minute, je te salue, ma chérie, minute. Minute, Marido. Aka, va là-bas. Toi aussi, Aka. On est toujours en train de balayer du revers de la main la situation. Et la personne est en train de s'éteindre. Après, elle se ferme. Quand tu poses une question, vous le gardez seulement comme ça. C'est en train de manger après matin. C'est fini. Ça tue. Alors ici, sur les réseaux, à part les gens des nauséabonds, gens là, c'est pour eux, c'est comme une forme d'injure, c'est comme une maladie, c'est comme ils se moquent de toi. Non, tout être est sujet à ça. Même au travail, il y a des gens qui perdent leur emploi. Ils rentrent en dépression. On te licencie, tu rentres en dépression. La maison passe au feu, tu peux rentrer en dépression. Le divorce, pousse à la dépression. Le décès d'un être cher pousse à la dépression. C'est très, très, très... C'est une santé. La santé mentale, on ne rigole pas avec ici. Mais si dans ta tête, ça ne va pas, comment tu vas avoir un rendement extérieur à donner? Hein? Faut arrêter. Alors c'est ton entourage, tes gens qui vont venir te dire oui, tiens bon, je suis là, un petit coup de pouce, si c'est peut-être une petite enveloppe, un petit machin, je fais une petite course, je t'apporte, je te soutiens, je te ci, je te ça, je te remonte le moral, je te donne des petits trucs qui te reboostent. Je dis écoute, moi j'ai fait comme ça quand c'était moi. Il y a des exemples, parfois ils vont même dans les gens qui prennent l'alcool là, quand ils veulent faire leur alcoolisme, c'est comme ça. Vous comprenez? Voilà. Nous avons une famille somalienne, tu vois? Et elle dort même au carrefour maintenant. Oui, ça peut commencer même sur le bailleur qui vient de demander l'argent du loyer, tu ne peux pas payer. Tu regardes comment tu étais avant comme si, maintenant tu n'es plus capable. Et associé à ça beaucoup de choses. Et puis, franchement, c'est comme ça que tu t'éteins. La santé mentale, on rigole pas. Je vous dis que je suis allé à la clinique, moi, à l'époque là.
On a juste avait dit que je suis plus capable. Seulement ça, on m'a du coup positionné dans tout. Vous comprenez? Seulement ça, on m'a positionné dans tout. Parler de quoi? Parler de quoi? Une porte nawat. Mon nom dans vos bouches. Vous allez parler jusqu'à... Même pas vous gérer. Même pas vous gérer. Je n'ai peur de personne. Moi, je vous dis ça. C'est le respect qui me lie avec les gens. Je n'ai peur de personne. Voilà. Très fréquent, surtout à cause du regard extérieur. Merci. Merci beaucoup. Très fréquent. Les gens ont des problèmes de santé. Mais quelqu'un a silencieux soir, un être humain qui semble sain et un malade qui s'ignore. À l'intérieur de toi, tu es plus capable. Si tu es plus capable, tu peux forcer pour forcer les choses, mais tu forces seulement. Mais c'est tes restes qui... Tu es comme un cadavre ambulant. Ça prend de la niaque. Moi, j'ai une fan là, elle m'appelle tous les matins, tous les soirs pour savoir comment je vais. Elle est tellement inquiète. Je dis, mais attends, je vais très bien. L'autre a fait ceci, j'ai dit, je ne vois pas. L'autre a fait ça, je ne suis pas au courant. Elle dit, ok, ça me rassure. Oui, j'ai même des fans qui pleuraient. À l'époque, quand c'était chaud là, elle pleurait. Tout ce qu'on te fait, je ne suis pas d'accord. Elle pleure. J'ai dit, tu pleures quoi? Merci beaucoup, Minute Marido. Merci. Tu sais, quand les gens ne comprennent pas, et puis moi, tu sais, moi, je pense que chercher à convaincre les gens, c'est pas nécessaire. Tu vis ta vie, tu fais ce qui est bien par rapport à toi. Mais à partir du moment où tu es à l'aise avec, le reste, tu t'en fous. Parce que si tu veux convaincre les gens ou amener les gens à te suivre, il y aura toujours des idées biégées. Tu fais bien, tu fais mal, les gens vont être d'accord, d'autres ne vont pas être d'accord. C'est comme ça. Moi, mon chéri, la question qu'il me pose, est-ce que tu es à l'aise avec? Je dis oui, dis ok. Je vous dis sincèrement. Et je suis bien à l'aise quand je vous dis, il aime autant que vous êtes. C'est bon à moi. Mon chéri est là. Je suis en direct. Et je vous lave sec. C'est bon à moi. Voilà. Donc vraiment, dans la vie, ne faites pas autrui ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Vous comprenez, non? Très important. Et moi, Facebook, c'est un classique. Il n'y a rien, je dis, regardez mes lèvres, rien qu'on va faire ici qui va me mettre mal. Voilà une personne, Agathe, elle a perdu son mari, elle a été dépressive pendant un an. J'ai dit rien. Pourquoi vous dites que rien là, ouais. Oh là là. Pourquoi vous pensez même que j'ai fait semblant? J'ai appelé ma sister pour savoir s'il y a pas, si elle est pas au travail ou elle est où. Elle peut même faire même un tour de ville, elle peut même se promener quelque part, prendre même un verre, il y a quoi. J'ai dit que rien, j'ai dit rien. Vous comprenez quoi? On fout. Rien. Que je ferme mes yeux, je dis que pourquoi il n'y a plus, je vous réponds ici, tout le monde, le temps que vous êtes, ça ne va pas me donner même vos noms. Moi, je veux que, quand je dis Joséphine Jomwe, je prononce son nom exprès, je veux qu'elle aille porter plainte, parce que ce qui se passe au Canada, c'est que quand elle va me porter plainte, le policier va m'appeler, il va lui expliquer, il va aussi lui dire depuis me prononcer, on va être égalité, comme Jaguar avait dit, on va être égalité. Donc, on va être même chose, on va lui dire que madame, elle dit que vous l'avez, parce qu'on va lui faire un retour. On a eu ce cas-là une fois, un frère qui faisait beaucoup de problèmes à une amie à moi ici. Et il est parti porter plainte parce qu'elle s'est fâchée. Quand il lui a fait tellement de problèmes, elle s'est fâchée. Un jour, elle a clashé, elle a donné tellement d'informations. Il était choqué. Il est allé à la police ici au Canada porter plainte. Oui, elle a dit ceci, regardez, elle a dit ceci, elle a dit cela. Quand le policier a pris le téléphone, a appelé mon ami là. Mon ami a expliqué ce qui est. Le policier est retourné voir le gars et dit qu'elle semblait répondre à quelque chose que toi-même tu as fait. Et c'était fini. Vous comprenez, non? Donc c'était que toi aussi ne parle plus d'elle. Donc les deux à carreau. Donc je ne pourrais plus entrer dans vos directs ou créer les directs où les mémés viennent vociférer dedans. On m'a envoyé la coupure où mémé est en train de s'agiter. Au lieu de gérer son petit HLM qu'elle est en train de transférer en je ne sais quoi, elle vient sur moi. Je bats alors là. Je comprends mieux ton caractère. Je confirme mon yamo de toi. Tu as le droit de... Hé, hey, maman, vous parlez de quoi? Je sors de loin. Mon époux aussi avait cette maladie, mais... C'est des écouteurs qui souffraient dans ses oreilles. Heureusement, le médecin a vite réagi. Vous voyez les écouteurs. La dépression est une maladie psychique qui est due à l'environnement. Oui, problème. J'ai bien dit divorce, licenciement, même les chicanes entre copines. Tu peux avoir la famille, les problèmes de famille, quoi encore. Déménagement. Les gens qui déménagent, ils dépriment. Parce que les boîtes, à un moment donné, ils craquent. Déménagement, voilà, le cas d'incendie, comme j'ai eu, l'incendie peut brûler ta maison, tu déprimes. Cas de décès, la naissance, les mamans qui mettent les enfants au monde, elles peuvent aussi déprimer parce que les mamans, qu'est-ce qui se passe? Elles le postpartum, parce qu'elles regardent quelqu'un qui demande qu'elle doit têter, elle n'a même pas la force de se laver et de s'arranger elle-même. Elle est là comme ça, postpartum, c'est la dépression.
les études, les gens qui sont aux études en période d'examen, ils peuvent déprimer. Les adolescents dépriment beaucoup parce que bon, il y a le conflit que les adolescents veulent s'affirmer, il faut que les autres, nani, nana, les petits, comme les adolescents sont quand même assez méchants entre eux, il y a beaucoup de mots, beaucoup de choses qui se font entre eux. Donc l'estime de soi, la confiance de soi, ça peut pousser à la dépression. Quoi encore? Les catastrophes naturelles, quoi encore? Les lynchages, comme sur les réseaux comme Flo s'enorgueillit, ça peut pousser à la dépression. Le divorce, j'ai déjà cité. Quoi encore? Les maladies graves, les choses comme ça. Voilà. Problème familial, etc. Oui, c'est ça. Donc, il faut laisser. Faire un tour de vie, se prendre un verre. Très important. Il faut se détendre. Bien sûr. Elle m'assiste tout. Elle m'assiste tout de l'heure. Perte de biens matériels. Voilà, perte de biens matériels. Échouer un examen. C'est-à-dire que tu fais un examen comme celles qui sont infirmières. Quand elles vont faire l'examen de l'ordre, elles ont deux fois pour échouer. Première fois, elles dépriment. Deuxième fois que c'est la dernière fois, elle déprime. Et si elle échoue, elle peut déprimer que oh, je ne serai jamais infirmière. Ça devient même les problèmes et la maladie. Merci pour les étoiles, ma chérie. Minute. Merci beaucoup, ma chérie. Moi-même, j'ai été presque dépressive avec la fausse accusation de viol de man à la Bogdanaise contre moi à Toronto. Voilà, le bon. Ça, c'est le bon qui le dit. C'est des choses que tu peux te retrouver en train de prendre des médicaments, être dépendant des médicaments. Si tu ne te bats pas pour sortir de là, tu ne vas pas t'en sortir. Il faut arrêter. C'est la vérité. Et les fausses accusations, c'est des gens qui mentent comme ils respirent la famille de Toto là. Les mythos. L'exil aussi font déprimer, tu viens faire tes papiers, même l'immigration, tu me demandes un visa, seulement en attente de visa, tu déprimes. Il y a quoi encore? Les voyages, quelqu'un dans l'avion, il déprime, il a un stress post-traumatique, c'est anxiété, je ne sais pas quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On va pas parler de ça qu'on appelle de vous, que vous allez faire quoi? Et lent autant que vous êtes là-bas en face. Vous comprenez là? Il lent. Merci pour les étoiles, maman. Un groupe étoile est activé, lancez aussi les étoiles à la main, regarde, ça fait 1 heure, je parle. J'ai même pas les étoiles. Lancez les étoiles, bombardez même 1000 étoiles. Yeah! Faites même 3 fois 1000 étoiles. On quitte sur ça. Moi, j'attends les étoiles maintenant. Le groupe étoile est activé. Ça fait 5 minutes. Le Boza, merci, Glo. Le Boza peut faire déprimer, bien sûr. Il y a quoi? J'ai oublié quoi? Les maladies graves, j'ai déjà dit. Je sais pas. Je sais pas. Les catastrophes naturelles, oui. Catastrophes naturelles, verglas, les gens sont dépressifs, les gens tombent. Covid a fait déprimer tellement de gens. On a des jeunes qui se sont pas encore remis du Covid. Ça a fait tout le monde était fermé et franchement, c'est la dépression. On fait comment? Je ne connais pas. Non, tu continues souvent à mettre les étoiles. Quand on dit groupe étoile, ça veut dire que comme tu as mis non, ton étoile que tu as mis a activé un groupe étoile. Maintenant, tu dois seulement mettre, en fait, ça dépend si ta carte a l'espace, hein, parce qu'il faut mettre une quantité, en fait, c'est ça. Donc, il faut mettre une quantité dans l'espace de 5 minutes. Donc, la minuterie est partie là. Donc, s'ils mettent, ça va donner un espèce de wow, de winner sur le direct que wow, vous avez gagné un gros bloc d'étoiles. C'est ce que ça veut dire, quoi. C'est tout. Mais si vous ne faites pas, c'est pas grave. Hein. C'est comme, voilà. Facebook est déjà, me monétise déjà assez pour les bons essais, mon temps que je suis là. Oui, le groupe étoile manqué, c'est que quand ça sort, maintenant il faut, comme on a 4 minutes qui restent ou 3 minutes, je ne sais pas, 4 minutes depuis que j'ai parlé, maintenant il faut bombarder, c'est-à-dire que ceux qui ont leur carte bleue, qui ont l'habitude de m'envoyer des étoiles, ils bombardent seulement beaucoup d'étoiles. Ça peut être, un groupe étoile peut valoir 3000 étoiles ou 5000 étoiles, dépendamment de la grosseur du groupe. La façon que je vois, il faut mettre des blocs de 1000 étoiles. Alors, s'il y a des personnes qui mettent les blocs de 1000 étoiles, ils ont gagné le groupe étoile. Et Zuckerberg dit, bravo, vous avez gagné le groupe étoile, c'est ça. Merci pour les étoiles, Casa de Papel. Merci. Donc, c'est le moment de mettre les étoiles parce que c'est juste, ça dure juste 5 minutes. Peut-être il reste 3 minutes. Dans 3 minutes, s'il y a des gens qui ont les 1000 à mettre, tu mets vite et puis on gagne le groupe étoile. C'est comme à TikTok, il y a des fleurs, des voitures, des je ne sais pas quoi. Mais ici, c'est les étoiles avec le groupe étoile, quoi. Donc, c'est un peu ça. Mais ça me fait plaisir. Merci à ceux qui ont déjà envoyé, c'est très gentil. Vous n'êtes pas obligé. C'est vraiment apprécié. Et mon but sur les réseaux, lui, Alexandre, elle dit 1500. Voilà, si tu mets 1500, voilà, ça donne un gros groupe d'étoiles. Merci, la Casa, encore qui a encore mis. Donc, c'est ça. Moi, je cherche pas à être parfaite, je cherche pas à être appréciée par tous. Je sais qu'on va pas m'aimer parce que les gens qui disent la vérité comme moi ne sont pas trop aimés. C'est pour ça que je fais pas de réunions, je fais pas des associations parce que je veux pas me trouver dans un groupe et quelqu'un se merci pour les étoiles, Alexandra. Quelqu'un se met à parler de tout et n'importe quoi, il me parle n'importe comment. Donc, moi, je suis dans mon coin, quoi. Voilà, ouh, l'étoile d'Alexandra me donne le nez, le truc. Tu vois, il y a déjà les cadeaux des étoiles. Merci, Alexandra. On continue. On continue, on continue, on continue. On continue. Bloc d'étoiles, c'est actif. Allez-y. Go, 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 go. Minute Marido, si ta carte a encore l'espace, pim, tu bombardes. Il reste plus beaucoup de temps. Il y a peut-être 1 minute, peut-être combien de secondes, je ne sais pas. Donc, bombarder, bombarder, sinon on va perdre le groupe étoile, mais ce n'est pas grave. C'est correct. C'est un peu ça, quoi. Donc, c'est ça. Je pense que j'ai fait le tour du propriétaire. J'ai voulu vraiment partager ça avec toi. Et les gens qui relaient, je vous salue. Ceux qui mettent mes vidéos sur YouTube, je les salue parce qu'il y a des gens qui viennent me commander des choses ou me demander des choses venant de YouTube. Merci, mon bébé Corinne. Ce mois-ci, tu as mis tellement d'étoiles à ta mère que même si tu ne mets pas, c'est pas grave, mon bébé. C'est correct, mon bébé.
Et qui est Kouna alors venir le Congo, ça. Au moins aujourd'hui, tu ne l'appelles pas Yakuba, tu dis le président. Quand tu n'es pas gentil, tu l'as pu appeler Yakuba, c'est bien. Au moins, tu l'appelles déjà le président. Il ne m'a pas lâché, c'est moi qui ai dit qu'il parte de mes choses parce que je n'aime pas l'hypocrisie, les hypocrites. Comment faites-vous pour envoyer par PayPal? Oui, je pense que c'est pas PayPal ou pas PayPal ou pas. Ça dépend comment tu as rattaché ton compte. Oui, c'est ça. Et puis tu choisis un bloc. Tu peux dire que j'envoie 500, j'envoie 1000, j'envoie 2000, c'est comme ça. Quand tu ne peux pas mettre des étoiles, il reste peut-être 30 secondes. Quand c'est un cas. Quand c'est un cas social. Quand c'est. Il est du président à la magie. Moi, quoi dedans? Chacun son djangui, mon frère. Allez-y. Hein. Une place, toujours. Ne perds pas de vue, mon frère. Moi, j'ai été déprimée parce que mon mari a un ami qui ça devient comme sa femme. Hein? Il sort tout le temps et je dois rester à la maison. Et quand je vais parler, mon mari est très agressif avec moi jusqu'à on discute très grave. Et un moment, je pense ils vont des choses que vous connaissez ensemble. C'est le grave, c'est grave. Ouais, ma chérie, l'affaire est compliquée. Hein? Donc, ils sont ensemble. Ils donnent ton mari aux hommes. Oui, c'est compliqué, hein, maman. Merci, Katoucha, pour les épaules. Merci beaucoup, Katoucha. C'est compliqué, hein, si ton mari est aux hommes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux te dire des petits trucs. Ton mari sort tout le temps avec une amie que tu trouves que c'est pas bon. Ouais, faut laisser. Kounagueu, on laisse tomber. J'étais pas à l'arrêt bus. Lui-même n'a pas été capable de dire aux gens que l'histoire de l'arrêt bus n'a jamais existé. Donc lui-même est fake. Moi, j'aime pas les gens qui laissent durer les choses. Ils font comme s'ils couvrent un côté, mais ne couvrent pas l'autre. Ça, c'est l'hypocrisie, dis donc. Les gens de Paris sont trop hypocrites. Ton mari sort tout le temps avec un homme et voilà, tu cherches à avoir alors, moi, je pense que s'ils sont tout le temps avec un ami qui vient tout le temps à la maison et ils sont toujours en train de sortir, que mais toi, habille-toi, tu sors avec eux, non. Tu n'aimes pas les sorties. Moi, en tout cas, j'aime les sorties jusqu'à. Bon, si mon mari sort, moi, me laisse-moi sortir. Compresseur parle d'une éventuelle paix entre vous et FDL. Qui est le médiateur? Eh, hey, pardon, la paix. Je ne suis pas dedans, il faut me laisser. Il faut qu'elle vienne prendre un one-to-one, mauve. One-to-one, c'est quoi? Marie, je te salue. Oh, bonjour, ma big d'amour. Depuis Bruxelles, là-bas. Depuis Charleroi. Je te salue, ma big d'amour. Merci pour les étoiles. Oh, Katocha, ça m'a bombardé mille. Hey, j'ai percé. Oh, merci, Katocha. C'est gentil, merci, c'est gentil. Vous savez, les étoiles, Zouk, elle nous donne ça en chèque à la fin du mois. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Amoureux, amoureux de Flore. Ah, excusez-moi les conneries. Je ne crois pas. Je crois pas que c'est vrai. Je ne crois pas. Donc, voilà. Je vais vous laisser. J'ai pris vraiment du temps pour vous parler. Je vais vous laisser. Je vais aller m'occuper de ce qui concerne mon souper. Donc, je vous aime beaucoup. Merci de m'avoir suivi. Merci de me soutenir. Merci. N'ayez pas peur, n'ayez pas mal quand je subis ce que je subis. C'est bon. Ça me renforce, ça me fortifie. Les écorces les épreuves qui ne nous le proverbe là c'était quoi les épreuves sont là pour nous fortifier et non pour nous tuer, donc ne vous en faites pas. Ah, pour le coaching one one, ok, c'est bon alors. Qu'elle n'a qu'à prendre un rendez-vous pour le coaching one-one. Ok, oui, je comprends ma chérie, je comprends ma belle-sœur d'amour. Ma belle-sœur, c'est que je suis perspicace dans ce domaine-là propre. Ok, je réponds pas en direct, merci. Mais aujourd'hui, c'est le monsieur saboté mon mari jusqu'à il est dépassé. Ah, Kimberly, pardon, faut laisser. Faut laisser, Kimberly. Tu veux le coaching, on va t'aider à sauvegarder ton couple. Parce qu'avec Meet & Love, le divorce est proscrit. On est divorcé, on travaille aux solutions des problèmes du couple. Mais ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Mais je voulais dire, c'est un proverbe que j'avais quand j'étais plus jeune. Les écorces qui ne nous tuent pas nous. En tout cas, je me rappelle plus de plus. C'était un peu long. C'était plus long que ce que tu dis là. What does not kill you make you stronger? Yeah, I'm telling you. But it's, ce que je voulais dire, il y avait les écorces et tout ça. C'était un gros proverbe que j'avais gardé beaucoup dans mon jeune enfance, ma jeune adolescente et tout. Mais la phrase est partie. Moment, je répétais encore ça me faisait des souvenirs, mais bon, c'est vrai, ce qui ne tue pas nous rend fort. Alors, moi, je suis forte, hein, je suis forte devant vous, ne vous en faites pas. Là, je vais couper le direct, je vais aller passer mon temps avec la famille, profiter des miens. Je vous invite aussi à profiter des vôtres. Aimez-vous plus que vous n'aimez, parce que moi, je vous aime, je m'aime plus que je ne vous aime. Maïus Mbagaï, te salue, ma chérie. Toi, moi aussi, tu m'insultes pas. Bien dit, Mambo Kimberly, prends un rendez-vous avec elle sur WhatsApp. Ok. +1 514 915 0160. +1 514 915 0160. Maïus Mbagaï, tu as recommencé sur moi, tu m'as donné le congé. Bye, je vous aime. Bye.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.